ويتي ذات سوالين أزول ونصوفيس ونصرف حظام قانا دمنا لا يذواني ثمدي ثبوسا ثمدي ثبوسا دنا ويثوال غافت السرتي ثمي غاين ذكي الحرمة ماس أحمد بن بيتولي. أحمد بن بيتولي قاعد ديجا غذان غلا في عدد أنا تيك ذا سلوي غفو فوح الحكومة ذي ولد غانا تيك ديج بذن إيمانيس ذي ولد سلس الإيمانيس نغي دار شحن إيمانيس فرانين تسوي ثادي ضرون كسوكس جوجل 14 كسوكس 2012 هذا قطاس قص تقسيم على قيمة ذم كيكس غادي صار شحن إيمانيس نغي سلس إيمانيس ذم زوارو ذا الشون ضمانة ذيك شو بس أنا كسر عن تسع لقط العسكر ذم كيجز ما ذي خدم أفدرينس تجينا ضب قطاس قستقصينا نعرض ذنف كي ماس أحمد بمتوت سمح تغ ذاك نيم تذبي تصرح ذي حليش شنو جو حليش ويسين دخش من سن نغم سن مو محب كير لقط أرز قيمة ما تجو حليش شنو تذهب ساعة لقط الجيو بوليتيك من ذلك جو حليش ويس ثلاثة دخش ماس مقرن قسم لقط علي طموش جو حليش كشودن أغاني كشودن غالي دون تيتي غلا كولتور لقط دتمتي ماس أحمد بمتور الزول في الليل الزول في الليل merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité que m'offrez de m'adresser à vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Alors, ma première question est simple. Oui. Vous avez annoncé votre candidature au mois de décembre 2012. Ça a quelque chose de nouveau dans la culture politique en Algérie. Qu'est-ce qui vous a vraiment motivé à annoncer votre candidature? C'est parce que je pense qu'il y a nécessité de changer tout le système de gouvernance. Et donc, il y a un travail pédagogique énorme à faire pour que les citoyens comprennent que pour changer ce système de gouvernance, il faut que les candidats qui soient soutenus par le peuple et non pas par les institutions et les organisations autour du pouvoir. Et donc, si vous voulez mobiliser tous ces gens-là avec un travail politique de longue haleine et avec pédagogie, vous avez besoin d'un temps nécessaire, et ce temps nécessaire, c'était justement 2012 pour avoir quand même 15 mois devant soi, 16 mois pour pouvoir préparer les élections présidentielles de 2014, avril 2014. Vous croyez vraiment à l'élection présidentielle, qu'en quoi les élections sont transparentes en 2014? Non, la question sont transparentes, il faut que nous travaillons pour qu'elles le soient. En fait, quelle est la situation du pays aujourd'hui? Nous avons une situation économique catastrophique, nous avons bien sûr des réserves de change qui sont meilleures. Nous avons une production qui baisse, nous avons une consommation intérieure qui augmente de l'énergie, ce qui veut dire que le différentiel qui va vers les exportations va s'amenuiser. Nous allons donc avoir un amenuisement de la rente, ça c'est le premier élément important. Et si on veut faire des réformes importantes, ça demande des financements. Dans l'état actuel de l'économie algérienne, les financements ne peuvent venir que du secteur des hydrocarbures. Donc, il faut les commencer le plus tôt avant qu'il ne soit trop tard. Ça, c'est le premier élément à garder à l'esprit. Deuxième élément, bien sûr, il y a toute la situation politique qui est intenable, donc avec un état défaillant qui dérive vers la déliquescence. Donc, il faut changer ce système de gouvernance. Pour le changer, il faut un programme. Et pour que ce programme soit accepté, nous disons à la population, s'il vous plaît, allez aux élections présidentielles en force avec un programme et non pas autour d'une personne, mais autour d'un programme. Ça, c'est très important. Le deuxième élément important, si vous voulez, on peut considérer que jusqu'à maintenant, les élections présidentielles, taux de participation autour de 15%. Si nous arrivons à convaincre la jeunesse pour leur dire d'aller vers un taux de participation, disons, de 45%, déjà avec 45%, en laissant l'hypothèse de 15% pour le pouvoir, vous avez 30% de l'autre côté. Ça veut dire, quelle que soit la déperdition à l'intérieur de ces 30%, vous allez avoir un deuxième tour. Et donc, on peut créer des coalitions au deuxième tour. Alors, vous avez déclaré dans le journal Watan en 2003 qu'on oui. Il est quasiment impossible de battre le candidat de système. Tout à fait. Tout à fait. J'avais dit que dans le monde arabe, d'une manière générale, que lorsqu'un un président se présente aux élections, il ne donne aucune chance à un autre candidat. Mais il y a eu les événements de 2011. Les événements de 2011, on a tiré deux leçons fondamentales. La première, c'est que lorsque la population s'installe à un endroit stratégique de la capitale, même si elle n'a pas un programme politique établi, même si elle n'a pas un leadership unifié, elle est capable de faire partir le chef de l'État. Le fils a fait cette expérience. Oui, d'accord. Ça n'a rien donné. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer le raisonnement. Vous pouvez commenter par la suite. Donc, mais le problème, c'est qu'en faisant partir le chef de l'État, on n'est pas capable de gérer le changement. Parce que justement, on n'a pas un programme politique et on n'a pas un leadership assumé. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, tout aussi importante, c'est que tous ces gens au pouvoir ont des avoirs à l'extérieur et considérés
que si la situation se dégradait, il pourrait aller vivre le paradis de l'exil à l'étranger. Donc, il se trouve que si la situation explose, cette fois-ci, ils ne pourront bénéficier ni eux, ni leur famille, ni leurs proches collaborateurs de leurs avoirs à l'extérieur. Ce qui fait que si vous mettez ces deux hypothèses ensemble, donc le fait qu'aujourd'hui nous avons besoin d'un changement organisé parce que pour le bienfait de la société, il faut un changement organisé par la première hypothèse. Deuxièmement, les tenants du pouvoir ont besoin d'un changement organisé parce que si ça se fait par l'explosion, ils ne pourront pas bénéficier d'une sortie honorable. Donc, je peux considérer que pour une première fois, il pourrait y avoir, vous avez mis, j'ai mis le conditionnel, il pourrait y avoir condition de convergence d'intérêts pour que tous ensemble, nous irons vers un changement, le changement qui est désiré, le changement autour d'un parlement. Vous parlez beaucoup plus de changement, alors que même Mouloud Hamouroush a parlé de changement, Bouteflika, sa premier mandat, a parlé de changement, vous parlez aussi vous, de changement. Est-ce que réellement il peut y avoir de changement sans le vouloir? Les décideurs ne veulent pas de ce changement. Non, attendons. Donc, nous mobilisons les gens autour du changement, mais pas par le mot de changement. Nous mobilisons par un programme. Notre programme est clairement établi, notre programme a un objectif qui s'appelle Algérie de paix, de justice et de prospérité. Je voudrais ouvrir juste une petite parenthèse lorsque je parle de prospérité. Lorsqu'on parle de pauvreté, souvent les gens pensent pauvreté, c'est-à-dire qu'on n'a pas un revenu nécessaire pour pouvoir vivre correctement. Ça, c'est une dimension de la pauvreté. Mais il y a trois autres dimensions très importantes. La deuxième, c'est ce qu'on appelle les opportunités sociales, c'est-à-dire avoir une école de bon niveau, avoir un hôpital de bon niveau et avoir un environnement autour de la maison correct. Ça, c'est la deuxième dimension. La troisième dimension, c'est la sécurité pour les personnes les plus vulnérables de la société. Les gens qui sont dans le besoin, vraiment dans le besoin, ils ont besoin d'être soutenus. Et le quatrième, c'est la parole, la voix. C'est-à-dire le fait que vous pouvez vous exprimer sur vos problèmes et il y a des institutions habilitées pour vous écouter et pour répondre à votre problème. Donc lorsqu'on parle de prospérité, nous parlons de ces quatre conditions. Donner le revenu aux gens, leur donner une école et un hôpital et un environnement favorable, mettre des programmes pour subvenir aux besoins des couches les plus vulnérables et bien entendu avoir la voix et pouvoir s'exprimer. Ça c'est l'objectif. Mais si on vous entend là, tous les candidats, tous les hommes politiques parlent de changement, mais entre le discours et la réalité, c'est là où se pose la question. Encore une fois, je vais aller plus dans le détail. Lorsque je parle d'objectif, il faut maintenant les conditions de sa réalisation. Les conditions de sa réalisation sont de deux ordres. D'abord, une réforme dans les institutions, une réforme dans le comportement des individus et des groupes d'individus. En ce qui concerne les réformes de l'institution, nous avons quatre grands chantiers. Le premier chantier, c'est la refondation de l'État. Donc, la refondation de l'État, ça veut dire quoi? Ça veut dire restructuration de l'administration centrale, de l'administration locale et de l'administration aux frontières. Lorsque quelqu'un arrive en Algérie, il faut qu'il y rentre dans des conditions normales comme il pourrait y aller dans n'importe quel pays. Alors, deuxièmement, oui. Là, je vous coupe la parole parce qu'on vous entend parler. On a l'impression que c'était un cours à l'université. Mais réellement, sur le terrain, est-ce que tout ça peut se faire? Mais de quelle manière que peut se faire? Alors, tout en sachant que le système, vous le connaissez très bien, vous étiez déjà ministre, chef de gouvernement, vous connaissez le système de l'intérieur. Si les décideurs ne veulent pas de ce changement, là où ce changement que vous voulez justement faire, comment les décideurs, c'est qui? Les décideurs, c'est le chef de l'État. Il faut garder à l'esprit toujours. Est-ce que c'est le chef d'État qui décide ou c'est les militaires qui décident? C'est le chef d'État qui doit décider parce qu'il est le chef suprême de l'armée. Alors, doit décider entre ce qu'il faut, ce qu'il y a, c'est différent. Eh bien, moi, lorsque je serai président de la République, je déciderai. Alors, quels sont vos rapports avec l'armée? Du moment que vous dites, si je serai président, je déciderai. Est-ce que vous avez une garantie de l'armée? Je n'ai aucune garantie de personne et je ne cherche pas de garantie de personne. Que les choses soient très claires, je ne cherche la garantie de personne. Moi, je cherche le soutien du peuple pour aller aux élections. Lorsqu'un président de la République est soutenu par son peuple, il n'y a absolument aucune institution à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays qui peut lui faire face. Alors, vous avez déclaré en 1996 que vous avez refusé d'être chef de gouvernement à l'époque de Zerouel, parce que vous avez dit que les élections sont truquées. Oui, bien sûr. Alors, si vous acceptez que les élections sont truquées quelque part, on n'a pas cette culture des élections neutres. Mais encore une fois, la situation en 2014 n'a rien à voir avec celle de 96. Non, c'était 98 les élections anticipées.
On m'a demandé d'être chef du gouvernement en 1998 pour préparer les élections de 1999 et j'avais effectivement décliné l'offre parce que les conditions de leur réalisation n'étaient pas offertes. Aujourd'hui, et moi-même. Pourquoi vous avez accepté d'être chef de gouvernement à l'époque de Bouteflika? Est-ce que les élections de Bouteflika se sont bien passées? Non, 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 encore une fois, j'ai accepté parce que. Parce on que, essaie oui. de comprendre. Zerwa, vous oui. avez refusé parce que les élections sont truquées. Bouteflika, oui. vous avez accepté. Oui, Bouteflika avait accepté. Bon, là, vous voulez que je vous discute un peu comment les choses sont passées. Il m'a appelé une première fois, j'ai décliné. Deuxième fois, j'ai décliné. La troisième fois, il m'a appelé. Il a insisté pendant cinq ans pour me dire, nous avons besoin de construire ce pays. Moi, je m'occuperai de l'extérieur, toi, tu occupes de l'intérieur. Et donc, je pensais qu'il y avait des conditions pour faire ce travail parce que le pays avait besoin de compétences et j'ai cette compétence. Mais dès que j'ai vu que les conditions n'étaient pas là, je me suis retiré. Mais en me retirant, je ne suis pas allé à la maison, me renfermer dans ma maison, j'ai commencé à travailler pour préparer les conditions du changement. Et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, les conditions du changement sont favorables au niveau mondial et au niveau local. C'est pour ça vous que je crois... Vous parlez de changement de système. Oui. Pouvez-vous nous dire c'est quoi la différence entre le système et l'État? Non. L'État, c'est le système de pouvoir. C'est les gens qui sont en train d'exercer le pouvoir. Si vous voulez comprendre comment fonctionne le pouvoir algérien, je peux vous l'expliquer rapidement. Quand le pouvoir algérien fonctionne, c'est un système autocrate, c'est un pouvoir autocrate. Système de pouvoir autocrate, c'est-à-dire qu'il n'accepte pas l'avis contraire. Et donc, en n'acceptant pas l'avis contraire, il est coupé de la réalité de la population. Il est mal informé sur la situation du pays. C'est un système patrimonialiste. Système de pouvoir patrimonial. Chaque fois que je dis système, je pense système de pouvoir, n'est-ce pas? Système de pouvoir patrimonial, ça veut dire que vous avez un chef entouré d'un cercle de courtisans qui se font la compétition par le zèle pour plaire au chef, pour bénéficier de ses gratifications, mais qui considère la société dans son ensemble comme une société arriérée, non apte à la question politique. Et lorsque vous avez un système patrimonialiste, vous avez donc cette rupture entre le pouvoir et la société. Troisième caractéristique du pouvoir algérien, c'est un système paternaliste. Lorsque vous avez un système de pouvoir paternaliste, c'est-à-dire le chef dit « moi j'ai l'amour du peuple et mon peuple me rend cet amour », donc toutes les institutions intermédiaires qui sont là ne sont pas nécessaires et donc il les affaiblit. Et lorsque vous avez tous ces éléments, c'est pour ça que vous avez un État défaillant et qui fonctionne aujourd'hui sur la rente, et si demain la rente n'est pas là, il sera un État déliquescent. Alors, vous parlez toujours que vous serez le candidat du peuple. On parle oui. toujours au nom du peuple. Non, alors que... Je ne parle pas au nom du peuple. Je demande au peuple de me soutenir. Je parle en mon nom. Je ne parle pas au nom du peuple. Je n'ai pas dit que le peuple a demandé ça. J'ai dit, moi, je demande ça. Je demande au peuple de me soutenir parce que je lui propose un programme qui est détaillé et qui lui permettrait de sortir de la crise. Alors, si on parle, c'est-à-dire que le peuple va vous soutenir, en parallèle, vous demandez le changement. Oui. Est-ce que réellement, sans l'adhésion de la classe politique, Ahmed Ben Bitur, candidat, il y a l'armée, vous me dites que vous n'avez pas de contact avec l'armée. Oui. Le DRS, je sais, est-ce que vous avez des... Non, ben là, quand je parle de l'armée, ça contient le DRS et l'état-major. Alors, vous avez ni le soutien ni de l'armée, ni de le DRS, ni de la classe politique, comment vous allez faire le changement? Enfin, quand vous parlez de classe politique, de quelle classe politique? Alors, vous les partis politiques. Alors, les partis politiques. Quelle est la présence des partis politiques à l'intérieur du territoire national? Alors, est-ce que vous discréditez le rôle des partis politiques? C'est pour ça que vous faites votre candidature peut-être individuelle, une dynamique populaire que vous allez faire? J'aime pas le mot discréditer, mais j'ai déjà dit que, justement, le changement ne vient ni du système, ni de l'intérieur du système, ni de tout ce qui est sous contrôle du système. Tous les partis politiques qui sont sous contrôle du système, ils sont là. Parce que, mais gardez à l'esprit, vous, s'il vous plaît, laissez-moi vous juste... Vous un enfant du système, du moins que vous étiez ministre plusieurs fois, mais, chef de gouvernement. Non, s'il vous plaît, faites la différence entre un enfant du système et un enfant au service de l'État. Et c'est pour ça que je vous ai posé la question tout à l'heure. C'est quoi la différence entre l'État et le système? Et justement, l'État, c'est les institutions de l'État qui fonctionnent, moi... Quand est-ce que je suis venu au gouvernement? On m'a déjà demandé d'être au gouvernement du temps du président Chadli, avant l'arrivée de Si Mohamed Boudiaf, et j'avais décliné l'offre. Quand Si Mohamed Boudiaf est venu, je suis rentré au gouvernement parce que nous avions cette perspective. Et j'avais un dossier brûlant, c'était celui des équilibres financiers intérieurs et extérieurs. Il fallait venir à bout de ce dossier. Vous savez qu'en 1994, le ratio du service de la dette est de 84%. Ça veut dire que lorsque nous recevions 100 dollars de recettes, il fallait mettre 84 dollars dans la dette. Il ne restait que 16 dollars pour gérer le pays. D'accord, je me suis retrouvé dans ce processus. Donc j'étais au service d'État pour une mission
déterminée, claire et nette, c'est celle de régler les équilibres extérieurs. En 1996, lorsque j'avais terminé de régler ces équilibres extérieurs, j'avais proposé une restructuration du système bancaire. Voilà ce que c'est d'être au service de l'État et non pas au service du système. Donc il y avait un système bancaire, un ministre des Finances qui a réglé les équilibres financiers. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? C'est régler l'organisation du système bancaire. J'ai proposé une reformulation du système bancaire pour créer à partir de chaque BAC cinq institutions. Ça a été rejeté par le gouvernement. À ce moment-là, j'ai démissionné, mais je n'ai pas publié la lettre de démission. En 2000, lorsque j'ai démissionné du poste de chef de gouvernement, j'ai publié la lettre. C'est la différence. Pourquoi vous n'avez pas publié la lettre de démission en 1996? Parce que la situation était fragile, je ne voulais pas, et puis bon, mes relations avec le chef de l'État étaient très correctes à l'époque. Donc, je n'ai pas voulu créer de problème. Est-ce qu'il y a des personnalités politiques ou des partis politiques qui soutiennent votre candidature? Des personnalités, publiquement non, mais on contacte, oui. Il y a des gens qui sont d'accord avec le programme. Des partis politiques en tant que partis politiques, non. Mais beaucoup de militants de tous les partis politiques viennent me rencontrer et me dire qu'ils m'apportent leur soutien, oui. Est-ce que c'est un problème de communication ou de conviction, le fait que depuis décembre 2012 que vous avez annoncé votre candidature jusqu'à maintenant, 2 ans après, il n'y avait pas une personnalité politique qui a annoncé publiquement son soutien à Ahmed Benbitou ou un parti politique? Non, parce que je n'ai pas demandé ça. Quand j'ai lancé... Comment vous allez faire alors pour créer cette dynamique populaire pour le changement? C'est comme si vous croyez qu'il y a une dynamique populaire qui existe et qui se trouve au niveau des partis. Et donc, si les partis ne bougent pas, cette dynamique ne parle pas. Je ne crois pas comme ça. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Moi, je veux mobiliser les populations sur un programme. Et donc, je suis en train de me déplacer partout sur le territoire. En fait, notre travail consiste en 4 étapes différentes. La première étape, c'est construire une notoriété au programme et à la personne qui va mener ce programme. Le fait qu'à ce moment-là, les gens connaissent ce programme, connaissent la personne qui va mener ce programme et disent « oui, nous sommes d'accord avec ce programme ». Ensuite, deuxième étape, il fallait construire... Alors, commençons par la première étape. Oui, alors, c'est fait. Pour arriver à cette étape-là, il vous faut d'abord les moyens de communication pour expliquer ça, oui. Les déplacements à travers, oui, le territoire national et avoir, oui, beaucoup d'argent pour les déplacements. Alors, non, comment on va faire, M. Ahmed Benbitou? Est-ce que vous avez accès aux médias? Est-ce que vous faites des déplacements à travers le territoire national? Avec quels moyens? Oui, je fais les déplacements dans ma voiture, figurez-vous. Et là où je vais, je trouve des centaines et des certaines de personnes qui sont là prêtes à m'accueillir et qui m'offrent toutes les conditions de séjour normales sans aucune dépense. Ça, je peux vous le garantir. Et vous savez que j'ai fait le plus gros du territoire maintenant depuis 6 mois. D'accord? Partout, je suis allé. Je suis allé à Tizi Ouzou, je suis allé à Béjaïa. Vous avez vu comment j'étais accueilli à Béjaïa? Je ne sais pas si vous avez une idée. Bizgarit, à l'université. Mm-hmm. Donc, ça veut dire qu'il y a un accueil pour ça. À Tizi Ouzou, j'étais dans la salle de Omnisport, n'est-ce pas? Elle était pleine à craquer. Elle prend 2000 places ou plus, non? D'accord? Donc, c'est ce travail que je suis en train de le faire et la notoriété maintenant est acquise. Deuxième étape, c'est repérer les personnalités d'appui, ce qu'on appelle les personnalités d'appui. C'est-à-dire des personnes qui ont présence de caution morale au niveau local et qui disent nous soutenons ce programme. Et là aussi, nous avons maintenant des cercles dans pratiquement toutes les wilayats et nous sommes en train de travailler avec les cercles dans les communes. Tout ceci est en train de se faire. Donc, parti politique, c'est l'appellation, mais l'organisation, elle est là. Nous ne croyons pas dans parti politique parce que lorsqu'ils vous donnent l'autorisation de créer un parti politique, ils ont mis tous les virus nécessaires pour les faire actionner au moment où ils veulent. Est-ce que moi je peux prétendre avoir les conditions de création du FFS? Non, vous le savez bien. FFS avait des conditions favorables. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Il est dans une situation assez difficile. Est-ce que je peux considérer avoir les conditions de création du FLN? Où est-ce qu'il en est? Est-ce que je peux considérer que je peux avoir les conditions de création du RND, cette fois-ci par l'appui de l'administration et tout ça? Où est-ce qu'il en est? C'est parce qu'ils vous mettent les virus nécessaires et lorsqu'ils voudront plus de vous, ils tireront les virus. Donc, partir dans la direction du parti politique, c'est une erreur de mon point de vue. Ceci dit, une fois avancé dans le programme, je vous dis que la deuxième étape, c'était les personnalités d'appui. La troisième étape, c'était de former les agents qui vérifieront le changement. La quatrième sera la campagne électorale. Une fois avancé, bien sûr, nous gardons la porte ouverte à tous ceux qui viendraient soutenir ce programme-là, bien entendu. Alors, les personnalités d'appui, justement, oui, la question que je vous ai posée tout à l'heure, depuis 2002 jusqu'à maintenant, on n'a pas entendu une personnalité politique connue qui soutient votre programme. Non. Vous avez besoin quand même de relais, quand même. Vous n'allez pas faire tout le travail tout seul. Non, non, justement, c'est là où il ne faut pas faire, excusez-moi, ne pas faire d'erreur. Il y a une différence, moi, j'ai parlé de personnalités d'appui qui ont une présence de caution morale au niveau local.
D'accord? Et ça, il y en a des centaines, pas des dizaines. D'accord? Je ne compte pas. C'est-à-dire, moi, je veux être concret. Moi, je suis un manager, je suis un gestionnaire, n'est-ce pas? Un gestionnaire regarde les conditions de réalisation. Les conditions de réalisation, ce n'est pas dans un soutien par la parole, c'est un conscient concret. Lorsque quelqu'un qui se trouve dans la ville de Béjaïa et vous dit « je vous soutiens, voilà ce que j'ai comme réseau, voilà ce que j'ai comme travail », ça, vous pouvez compter sur lui. Si c'est quelqu'un qui vient dire publiquement en public, oui, je soutiens M. Bembitour, après ça donne quoi comme résultat? Pas grand-chose. Mm-hmm. D'accord? C'est ça la différence. Mais est-ce que vous considérez beaucoup plus comme un économiste ou un homme politique? Alors là. Là, parce que là, vous posez toujours les problématiques du point de vue économique. Non, pas seulement du point de vue économique, du point de vue politique, bien entendu. Non, c'est-à-dire que y a une, là aussi, il y a une déformation. Pour nous, politique, que c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas les questions techniques. D'accord? Chez nous, dans notre compréhension de l'homme politique, parce que nous avons effectivement devant nous des hommes politiques qui ne comprennent pas. Non, c'est une faute. Je pense qu'un homme politique doit être capable de traiter les questions techniques pour donner les orientations claires pour que la réalisation des objectifs se fasse. Alors, on passe ces derniers temps de la révision de la Constitution. Quelle est la position de M. Bembitour par rapport à ce sujet? Est-ce que vous êtes pour ou contre? Si vous êtes pour, pourquoi? Si contre, pourquoi? Non. La révision de la Constitution, c'est-à-dire donner un crédit à une Constitution qui a été faite dans des conditions tout à fait anormales. Si révision Constitution devait avoir lieu, moi je la vois en deux articles. Premier article, la révision en vigueur à partir de maintenant, c'est la révision de 96 amendée en 2002 pour mettre Temazir en langue nationale, de toute disposition contraire et nulle non avenue. Ça veut dire qu'on reviendra à deux mandats, etc. Tout le reste. Maintenant, il faut faire tout un travail pour préparer un projet de société qui, lui, à ce moment-là, c'est le projet de société qui donne la révision, qui donne la constitution et non l'inverse. Alors, comment vous allez, parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas beaucoup de noms, on ne connaît pas beaucoup de noms des candidats, et d'ici demain, le candidat de l'administration sera annoncé. Comment vous allez faire justement par rapport au candidat de l'administration? Mon cher ami, j'avais annoncé en décembre 2012 que je me présenterais aux élections, même si le chef de l'État en exercice se présentait. D'accord? Donc, moi, je me prépare à toutes ces éventualités. Bien sûr, quand vous vous présentez à ce niveau de responsabilité, vous devez faire face à tous les impondérables. D'accord? Moi, j'avais dit, il y a 3 mois, 4 mois, si 4 ou 5 personnes crédibles se présentaient, ça nous donnerait encore plus de force et ça mettrait en difficulté le système de pouvoir en exercice. Malheureusement, tous attendent la révision de la Constitution pour se prononcer parce qu'il y avait une discussion autour de la révision de la Constitution. Moi, je dis non. Moi, j'ai un objectif. J'ai ma population mobilisée. Je ne regarde pas ce qui se passe à côté. Et justement, comment expliquez-vous justement le silence des candidats? On parle beaucoup plus de... Il faut leur poser la question. Je vais mais pas quand même, vous faites l'analyse. Pourquoi ce silence? Vous me donnez un espace de temps limité. Je préfère en profiter pour exposer mon programme et non pas pour discuter des autres. Et pour la maladie du président? Ah, la maladie du président, écoutez... Encore une fois, vous allez me dire, vous êtes en train de faire de la pédagogie, mais je suis obligé de la faire. Il faut faire la différence entre la maladie et l'absence. La maladie d'une personne regarde la personne. Elle est malade, ça la regarde. Mais quand vous êtes chef de l'État, on regarde votre absence. Vous pouvez être absent tout en étant en excellente santé. Et c'est un problème pour le pays. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'absence du chef de l'État. Cette absence est-elle pour quelques mois, pour moins, pour quelques jours, pour quelques semaines? Ça concerne l'ensemble de la population. Alors, ça concerne ce... pour l'application de l'article 88? Encore une fois, l'application de l'article 88, elle se fera par qui? Par le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous croyez un instant que le Conseil constitutionnel, dans sa composition actuelle, ferait appliquer l'article 88 s'il ne reçoit pas un ordre du chef de l'État lui-même? Non. Donc, ce n'est pas la peine d'en discuter. Ne perdons pas tant sur des questions comme ça. Excusez-moi. Ah, il n'y a pas de souci, c'est une question, parce que tout le monde parle de l'article 88. Oui. On aimerait savoir votre point de vue par rapport à ça. Vous avez vu, vous l'avez maintenant, d'accord? Non, c'est-à-dire, il faut toujours se poser la question de la faisabilité de quelque chose. La mise en place de la procédure de l'article 88 de la Constitution relève du Conseil constitutionnel. Or, nous avons un Conseil constitutionnel qui a accepté la révision de la Constitution en 2009, qui était totalement anticonstitutionnelle, d'accord? Au jour d'aujourd'hui,
dans sa composition actuelle, je ne le vois pas prendre une quelconque décision, comme je répète ce que je viens de dire, s'il n'a pas reçu un ordre pour le faire. Et donc, ce n'est pas la peine de perdre son temps autour de cette question-là. Alors, vous parlez dans votre proposition du changement, dans votre mandat présidentiel, c'est une période de 5 ans, il y aura 2 étapes. La première étape, ça prendra 2 années. C'est un peu éduquer la crise de confiance entre les citoyens et le pouvoir, donner la liberté de la presse, etc., qui prendra 2 ans. La deuxième étape, c'est l'achèvement de cette transition, l'encourager le multipartisme, l'alternance, qui prendra 3 années. Oui. Alors, en fait, c'est 5 ans. 2 plus 3, ça fait 5. Voilà. Donc, les deux, on les commence en même temps. Mais l'endiguement se termine au bout de 2 ans, alors que l'achèvement des transitions se termine au bout de 5 ans. Est-ce que vous serez candidat juste pour un mandat, oui, pour juste assurer cette transition? Absolument. Absolument. Je serai candidat pour un mandat, celui de la préparation des conditions nécessaires pour qu'on fasse à la troisième phase, qui est la consolidation de la démocratie et qui demande 10 ans. Alors que la consolidation de la transition se fera dans la prochaine étape. Oui. Et comment ça se fait alors? C'est par exemple, comme c'était un projet de société, la deuxième oui, étape. Oui, la troisième. La troisième étape. Oui. Ça sera oui, un projet de société. Oui. Et s'il y aura 2 projets différents, comment on peut consolider cette transition alors? Non, on peut la consolider justement. Alors, parce que vous ne m'avez pas laissé terminer le programme. Si vous m'avez laissé le programme, on aurait préparé des réponses à ces questions. Est-ce que je peux prendre 2 minutes pour allez-y, donner le détail du programme? Donc, j'ai dit, il y a 2 dimensions. La dimension construction institutionnelle, la dimension amélioration de la citoyenneté. Dans la dimension construction institutionnelle, il y a 4 grands chantiers. Le premier, c'est la refondation de l'État, qui lui-même contient 5 chantiers importants. La restructuration de l'administration, j'en ai parlé tout à l'heure, la restructuration de la justice, la modernisation de l'armée, la mise en place du principe de la méritocratie et la liberté de la presse et la liberté d'expression. Ça, c'est l'État. Deuxième dossier, c'est la refondation de l'école. Nous sommes en train d'aller dans ce qu'on appelle la numérisation aujourd'hui. Vous savez que aujourd'hui le capital scientifique mondial double en moins de 7 ans. C'est-à-dire tout ce que l'humanité a accumulé comme savoir, comme capital scientifique depuis que l'homme existe jusqu'à 2010, elle l'accumulera entre 2010 et 2016. Ça veut dire une accélération du progrès technologique extraordinaire. Et donc, il faut avoir une école qui soit à ce niveau. Demain, la puissance des nations se mesurera par la qualité de l'école et la qualité des managers du pays. Donc, ça, c'est le deuxième dossier. Troisième dossier, c'est la refondation de l'économie. Nous allons mettre en place 15 pôles régionaux de développement où il y aura la décentralisation totale de alors, la décision d'investissement. On parlera de ça. Mais juste pour terminer le programme, il faut que le spectateur ait le programme dans son ensemble. Et le quatrième, c'est la promotion des compétences nationales et la maîtrise de la numérisation. Ça, c'est ce qui concerne le deuxième partie. Il y aura un programme pour la lutte contre la corruption et un autre pour la construction citoyenne. Donc, lorsque nous aurons pendant ces 5 ans construit ces institutions, l'école, l'administration, l'économie, les compétences seront là, etc. Et nous aurons construit la société et donc la citoyenneté. À ce moment-là, la citoyenneté sera prête pour justement pouvoir débattre fortement et longuement de tous les choix de société. Ce que vous êtes en train de dire, oui, c'est que Bouteflika, le premier mandat, il n'arrête pas de parler de ça, la réforme de l'État, la réforme de l'école, la réforme de la justice, la transition contre la corruption, etc. Mais le temps a montré le contraire. Oui. Mais voilà, justement, entre le discours et la réalité, c'est autre chose. Non. Bouteflika parle, moi je parle de quand vous lisez le programme, vous regardez la refondation de l'école, vous avez quand même 37 pages de texte sur la refondation de l'école. Le condensat de l'économie, vous avez 57 pages de texte de la refondation de l'économie qui se trouve sur le site. Donc, c'est pas seulement de la parole, c'est un programme détaillé de la mise en œuvre. Merci beaucoup. Donc, on va continuer. Donc, on a dit que nous avons une page de publicité. On a dit que nous avons une page de publicité. On a dit que nous avons une page de publicité. On a dit que nous avons une page de publicité. On a dit que nous avons une page de géopolitique. On a dit que nous avons une page de géopolitique. On a dit que nous avons une page de géopolitique. On a dit que nous avons une page de géopolitique. On a dit que nous avons une page de géopolitique. Nous avons une page de géopolitique. Nous avons une page de géopolitique. Nous avons une page de géopolitique.
موح بكير ارزقي مامار ادنوال ونكمل ذوك حليش ويسين ذي ذويتي نبقى نحرمه ما سحمد بن بيتور احمد بن بيتور ناد ذي نتسان ذي وند سلسني مانيس غار فرينين رادي ضرونك سبقى سنجو جرا 14 غار فسلويتي ثمورت نتزير ادنون غوري السين نغمسن موح بكير لك ارزقي مامار تزول موح ازول كمال ارزقي مامار تزول ازول كمال تزول بن بيتور alors bon bah hasqsinik fenik shudn ghar thamsan ghar l'économie. Oui, on peut commencer par l'objet même des ambitions de M. Benbitou, monsieur le chef du gouvernement, bonjour. Bonjour. Donc, ce que je voulais vous demander, c'est que vous vous êtes défini comme manager. Oui. Et vous portez candidat à la présidence de la République. Ce qui m'intéresserait, c'est qu'on puisse ensemble définir l'objet que vous allez manager, donc l'Algérie. Oui. Et vous êtes arrivé de parler des différents systèmes qui se sont succédés, des pouvoirs qui y afférents. Donc vous avez parlé du féodalisme et de la prééminence des élites militaires, de la révolution industrielle et des élites qui s'y attachent. Et vous considérez que nous sommes à un moment où il y a deux dynamiques, donc une dynamique qui peut s'inscrire dans l'espace local et une dynamique qui est dans l'espace global, donc ce que vous appelez la globalisation. Globalisation et localisation. Globalisation. Oui, oui. Donc par rapport à ça, je vous demanderai de situer l'Algérie. Où se situe l'Algérie? Est-elle dans l'espace féodal? Est-elle dans l'espace de la révolution industrielle? D'accord. Ou a-t-elle déjà un pied dans la... Bon, elle est à cheval entre plusieurs choses. Parce que lorsque... C'est-à-dire l'idée, c'était que chaque fois qu'une technologie a dominé l'activité humaine, elle a imposé trois changements fondamentaux. Le premier changement, c'est l'élite au pouvoir. Le deuxième changement, c'est la construction institutionnelle. Et le troisième changement, c'est le comportement des populations. Avec l'agriculture, le système, c'était le féodalisme, donc la construction institutionnelle, c'était le féodalisme. Les élites guerrières étaient au pouvoir parce que la terre appartient à celui qui possède le pouvoir, les armes. Et les comportements de la société, c'était les croyances dans le fatalisme, etc. Une forme d'ignorance. Exactement, et l'ignorance. Est venue la révolution industrielle et elle a changé systématiquement. Le féodalisme est passé à l'État national, c'est-à-dire un État avec un territoire avec des frontières reconnues par les autres États voisins. C'est nouveau dans l'histoire. En 1789, l'Allemagne était composée de 314 petits États où chacun avait sa propre monnaie et ses droits de douane. Ce n'est qu'au Congrès de Vienne en 1815 qu'on a eu l'Allemagne que nous connaissons aujourd'hui. L'Italie encore plus récemment. C'est pour dire que c'est pas quelque chose de... Or, il se trouve que lorsque cette opportunité était offerte aux sociétés de se construire, nous étions sous occupation coloniale, 19e siècle, 20e. Donc, on n'a pas profité de la révolution industrielle. C'est pour ça qu'il nous est resté dans le comportement de la société des éléments qui étaient caractéristiques de la technologie agraire et non pas de la technologie industrielle. Alors, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de dire... Aujourd'hui, nous sommes en train de passer à une nouvelle technologie qui va changer le comportement des institutions. Vous avez parlé de globalisation et de glocalisation et qui va changer. Donc, les élites au pouvoir, ce sont les élites financières qui sont en train d'arriver au pouvoir. Et on parle de société en Y, c'est-à-dire des gens qui sont tout le temps branchés. D'accord? L'idée, c'est de dire, justement, on va profiter de cette nouvelle technologie pour sauter directement dans la nouvelle révolution technologique et non pas essayer de rattraper le retard de la révolution industrielle. C'est ça l'idée fondamentale. C'est pour ça, dans notre programme, j'avais parlé donc de la promotion des compétences nationales et la maîtrise de la numérisation. Parce que la révolution industrielle est venue avec la machinisation, les techniques de l'information et des communications vont venir avec la numérisation de la machine. C'est ça l'idée qui est derrière le programme. C'est assez intéressant comme démarche. Intéressant comme démarche parce que ça souligne une chose, c'est que ces changements-là, le passage de l'agraire à l'industriel a été violent. C'est très violent. Pourquoi? Parce que long dans le processus. Long et violent. Oui, C'est des siècles. Donc là, nous retrouvons un élément qui est essentiel dans l'histoire, c'est qu'il y a substitution d'élite. Et cette substitution se fait de manière violente, généralement. Oui. Alors que lorsqu'on vous écoute, lorsqu'on suit votre activité pour promouvoir votre candidature, cette violence, elle est évacuée. Non, c'est justement la caractéristique de cette nouvelle technologie, c'est la démocratisation de l'accès au pouvoir. C'est-à-dire aujourd'hui,
n'importe quel individu et n'importe quel peuple peut être en contact instantané, c'est ça la nouveauté, instantané avec n'importe quel autre peuple et n'importe quelle autre personne. Ce qui fait qu'il y a une prise de conscience mondiale où les gens vont réclamer donc plus de dignité personnelle, plus de dignité culturelle et plus d'opportunités économiques et sociales. C'est ça qui fait donc cette... Donc les ambitions sont grandes. Sont immenses. D'accord. Mmh. Mais vous avez dit que l'Algérie se trouve à cheval, donc nous sommes encore dans la grève. Non, enfin, nous sommes dans la grève, justement. Si nous sommes... Donc la problématique. Nous avons, à côté, soyons assez précis, nous avons quelques caractéristiques dans la société qui sont des sociétés agraires. Est-ce que nous avons des caractéristiques de société industrielle? Donc, bien sûr. Vous êtes algérien, n'est-ce pas? Mm. Vous avez la caractéristique industrielle. Vous êtes intellectuel, vous réfléchissez, vous pensez, etc. Parce que vous vivez dans un monde qui vous permet d'être comme ça. Et l'idée maintenant, c'est de dire, n'essayons pas de regarder le rétroviseur, essayons de regarder plutôt devant. C'est très actuel, c'est vraiment pas dans le rétroviseur. Pourquoi? Parce que quand on prend le changement, oui, la problématique qui se pose immédiatement, c'est, oui, d'identifier les forces qui peuvent porter ce changement, oui, et d'identifier aussi les forces qui peuvent résister au changement. Oui. Ce n'est pas absent dans votre programme, oui, puisque vous parlez d'une période de sécurisation, donc d'éviter le retour, oui, en arrière. Oui. Mais est-ce que vous pourriez nous identifier ces forces-là? Les forces qui peuvent être acquises au changement et celles qui ne peuvent pas du tout être intéressées par le changement? Bon, les forces qui peuvent être acquises au changement sont bien sûr les élites d'abord. Mais là, si vous permettez juste, j'ouvre une parenthèse sur la notion d'élite. Mmh. Élite, c'est pas... Parce que chez nous, il y a une confusion entre élite et intellectuel. L'élite, c'est un groupe de personnes qui agit devant une société et qui a une capacité d'influence. Donc, si vous êtes tout seul, vous n'êtes pas élite. Et tout le problème, justement, de nos élites, c'est qu'elles sont toutes seules. Chaque élite est toute seule. Et donc, si on veut créer une élite, il faut créer donc des groupes. Et il faut créer une société qui soit à l'écoute. C'est pour ça, dans le programme, vous avez l'éducation citoyenne. Mais ça ne sert à rien de venir avec une élite qui parle à un désert. Il faut qu'elle parle à une société. Cette société, il faut qu'elle ait les capacités de réception. Et c'est ça l'éducation citoyenne qui doit être. Et les élites doivent travailler à avoir une force d'influence. Bien sûr, ceci en se mettant ensemble et en ayant un comportement digne d'une élite et donc qui mérite d'être. Ça, c'est les forces sur lesquelles il faut compter, en particulier la jeunesse d'aujourd'hui. C'est celles-là sur lesquelles il faut compter. Les forces qui vont s'opposer à tout changement, ce sont les forces qui profitent de la rente et de la prédation autour de la rente. Et vous en avez partout, vous avez toutes les forces qui sont sur le marché parallèle, vous avez les forces qui bénéficient, parce qu'il y a trois directions d'enrichissement illicite. Le premier, c'est les contrats publics, d'accord, pour la réalisation des infrastructures. Le deuxième, c'est le programme d'importation. Et le troisième, c'est les prêts bancaires. C'est là-dedans que vous allez trouver les gens qui vont s'opposer à tout programme de changement. Ils sont nombreux quand même. Oui. Enfin, moi, la question que je pose, c'est qu'on a une économie basée sur la rente pétrolière. Donc, oui. Donc, c'est-à-dire, on a une économie de bazar. On vend et on achète. Rentière, effectivement. Oui. Oui. Mais comment vous faites pour relancer cette économie? C'est-à-dire, on a besoin d'une économie de production. C'est-à-dire, oui, qu'est-ce que vous allez faire pour relancer l'économie algérienne? C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire produire en Algérie. Je vous expliquer. Donc, j'ai parlé... Nous allons mettre en place 15 pôles régionaux de développement qui auront toutes les conditions nécessaires pour l'investissement. D'accord? Si vous regardez la structure d'investissement, la structure d'épargne, vous savez, quand vous parlez toujours d'investissement, vous parlez d'épargne. Il faut dégager de l'argent pour l'investir, n'est-ce pas? Nous avons à peu près un taux d'épargne de 40%. D'accord? Ça veut dire que nous pouvons faire un taux d'investissement de 40%. Mais si vous regardez l'investissement productif compétitif, il est moins de 5%. Ce n'est pas avec un taux d'investissement productif de moins 5% que vous allez construire une économie. Donc l'idée, c'est de partir justement à 25% sur les 40%. D'accord? Ils sont là, ils sont disponibles. La question qui reste, c'est avoir le savoir-faire, comment transformer ces 25% d'épargne en investissement productif compétitif. Et c'est là où ces pôles régionaux de développement vont jouer le rôle fondamental. On va commencer par faire une monographie de la région complète pour définir les potentialités de développement de la région. Une fois qu'on a fini les monographies, on mettra les institutions nécessaires, des banques d'affaires,
des banques d'affaires, pas des banques commerciales, des banques d'affaires. Une banque d'affaires, c'est une banque qui est spécialisée seulement dans l'investissement. D'accord ? Des fonds d'investissement pour venir en aide justement pour. Parce que l'État, c'est l'État qui a l'épargne aujourd'hui grâce au pétrole. C'est pas autre chose, hein. Mais comme il l'a, il va justement apporter son soutien aux investisseurs nationaux, privés, pour qu'ils puissent investir dans le secteur productif. C'est ça le pari que nous faisons. Donc, en ayant justement des régions, 15 pôles régionaux de développement, où il y a une décentralisation de la décision, je peux considérer que les gens, quand ils sont localement, ils vont prendre les décisions qu'il faut et non pas de mauvaises décisions. Mais on constate qu'il peut y avoir un certain nombre de contestations, c'est-à-dire de résistance. On voit actuellement, il y a une économie de parallèle basée sur... Enfin, oui, mais c'est-à-dire toutes les résistances. Il y a un certain nombre de résistances. Comment vous faites pour... Vous semblez avoir expérimenté ça, quand vous parlez de votre échec à réformer le système bancaire, oui. En vérité, c'est une illustration de la force de ces forces conservatrices. Oui. Soyons clairs, ce n'est pas échec à réformer, c'est refus carrément de mettre en place un programme. Donc ça montre la puissance de ces forces-là. Non, ça montre qu'il y a une coalition entre ces puissances et le pouvoir. Mais comment demain, faire face à cette coalition, quelque chose? Non, justement. C'est ça le problème. Justement, demain, il va y avoir un pouvoir qui va travailler avec le soutien de la population. Et encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure à votre camarade, je le répète, lorsque un pouvoir a le soutien de la population, rien ne peut lui faire barrage. Bien sûr que ça va être difficile, je ne dis pas que ça ne va pas être difficile. Pourquoi je parlais de la réforme de l'administration? L'instrument fondamental pour lutter contre ces questions-là, c'est un système d'impôts qui fonctionne. Et j'ai l'expérience et le savoir pour pouvoir mettre en place un système d'impôts qui fonctionne. Aujourd'hui, pourquoi ça va être relativement facile? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le e-gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement électronique. Au jour d'aujourd'hui, il y a des pays, il y a la Finlande, il y a la Nouvelle-Zélande, il y a le Canada, qui sont des pays qui ont des systèmes de gestion des affaires publiques très performants et sur lesquels nous allons compter comme coopération pour mettre en place ce système. Vous savez qu'il y a des pays, sans les annoncer, des pays même du Golfe, où un investisseur vient, il entre sur clavier, il fait son dossier d'investissement, il reçoit son autorisation ou ne la reçoit pas sans jamais rencontrer un fonctionnaire. Quand vous mettez en place ce système-là, toute cette question de pouvoir qu'ont les gens avec l'argent disparaît. Ça veut dire que là, déjà, on a gagné une bataille. Ça veut dire que c'est les forces qui accaparent la rente, puisque dans votre description de l'usage de la rente, vous soulignez qu'il y a des milieux proches du pouvoir qui accaparent la rente et qui constituent des fortunes colossales. Oui, donc, oui, ça c'est connu de tout le monde. C'est connu de tout le monde. Oui. Mais ces forces-là, je pense qu'elles ont deux caractéristiques. Elles constituent des fortunes à l'intérieur du pays, mais elles constituent l'essentiel de leur fortune à l'étranger et en intelligence avec des milieux économiques étrangers. Or là, ça situe un enjeu colossal dans le changement. Est-ce que ces gens-là, comment on peut faire pour leur faire renoncer à leurs intérêts? En partie, vous dites qu'il y a des forces qu'on peut gagner, puisque vous prenez une démarche pédagogique. Oui. Vous dites, on ne fera pas d'opération main propre, on fera une justice sereine, et après une période probatoire, une période d'apprentissage. Oui. Mais ces gens-là, quel revenu vous leur proposez? Et quel est le rapport entre le revenu que vous leur proposez et ce qu'ils font comme fortune aujourd'hui? Donc là, on va voir leur comportement. Est-ce qu'ils vont céder? Peut-être que le deuxième pendant de votre réflexion, c'est le fait de considérer qu'aujourd'hui, il n'y a plus impunité pour les dirigeants. Vous vous appuyez sur le cas de Ben Ali et de Moubarak pour dire que là, il y a valeur d'exemple. Donc les élites au pouvoir, on peut les gagner par deux côtés. Un, elles savent qu'il n'y a plus d'impunité. Deux, on va faire de sorte qu'on ne les punisse pas tout de suite. Mais est-ce que c'est réaliste tout ça? Non, pas qu'on ne les punisse pas tout de suite. On met en place un nouveau système de gestion des affaires publiques. Et donc, s'ils se conforment à ce système de gestion des affaires publiques, oui. S'ils ne se conforment pas, ils seront punis, bien sûr. Et je crois que dans leur propre intérêt, je ne les verrai pas affronter un système qui est très sérieusement mis en place et surtout encore, qui est correctement mis avec le e-gouvernement. C'est ça, le pari est à faire sur le changement technologique. Si vous voulez, si on avait cette discussion au 19e siècle, vous auriez les mêmes questions lorsqu'on est passé de la
technologie agraire vers la technologie industrielle. Donc les gens ont parié justement sur le progrès, ils ont réussi. Nous allons parier sur le progrès et nous réussirons, Inch'Allah. Enfin, nous réussirons, Inch'Allah, et avec le travail aussi. Enfin, je pose une question sur un autre sujet, sur le printemps arabe. Oui. Enfin, jusqu'à maintenant, l'Algérie a échappé au printemps arabe. Est-ce qu'il pourrait échapper à... Alors, d'abord, ce n'est pas seulement l'Algérie. Tous les pays rentrés ont échappé. On prend par exemple la Libye, n'a pas échappé. Non, la Libye, c'est une intervention extérieure, d'accord. Mais il n'a pas échappé. D'accord. Okay. Enfin, mais disons, la Libye, c'était dans le processus. Mais après le processus, donc après le printemps arabe, ceux qui sont restés n'ont pas été touchés. Ce sont des gens qui ont la rente et qui ont utilisé la rente massivement pour calmer les populations. D'accord. Vous parlez du pays du Golfe. Pays du Golfe, bien sûr. Mm-hmm. Pays du Golfe et de l'Algérie. Oui, c'est ça, j'ai dit. J'ai dit, c'est pas seulement l'Algérie, les autres pays du Golfe aussi. Je crois que la population ne pourra pas tenir longtemps. S'il n'y a pas un changement de tout le système de gouvernance. La rente est en train de s'amenuiser. Aujourd'hui, nous avons une baisse tendancielle de la production de pétrole et de gaz et une augmentation tendancielle de la consommation d'énergie interne, ce qui fait que le différentiel qui va vers les exportations est en train de baisser. Et or, justement, alors que nous sommes dans une situation d'amenuisement, nous avons une gouvernance plutôt, qui est en train d'abuser et de surabuser de l'utilisation de la rente. Parce que nous avions des règles dans les années 70 qui consistaient à dire la fiscalité pétrolière, c'est-à-dire les impôts qui viennent du pétrole, sont utilisés dans le budget d'équipement et non pas dans le budget de fonctionnement. Maintenant, on commence à les utiliser dans le budget de fonctionnement. Et si vous prenez l'année 2011, sur chaque baril exporté, $70 sont allés au budget de fonctionnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain, le prix du baril venait à baisser au-dessous de $70, il n'y aura pas un seul dinar pour le budget d'équipement et d'investissement. Il y aura des problèmes pour financer le budget de fonctionnement. Donc, nous sommes dans une situation difficile. Pensez que le budget de fonctionnement de 2011 était en augmentation de 50% par rapport au budget de 2010. Ici, dans le pays où nous sommes en train aujourd'hui, ils sont en train de parler comment réduire 2%, 3%, nous parlons de 50% d'augmentation. Donc, nous sommes dans une situation absolument intenable. Et c'est pour ça que si on ne profite pas des élections présidentielles de 2014 pour en faire une porte ouverte vers les règlements des problèmes de la société, j'utilise pas le mot changement parce qu'il faut m'accuser de trop l'utiliser, ce sera perdu pour tout le monde. Mais en fait, est-ce que vous croyez que ces élections seront honnêtes et libres? C'est ça le problème, étant donné que les autres élections que vous avez dit tout à l'heure, elles ont été truquées. Non, je dis qu'il y a peut-être, je dis pour être en conditionnel, convergence d'intérêts entre les tenants du pouvoir et les règlements de la situation, parce que justement, si ça dure, ça va exploser. Il n'y a pas d'indice qui disent qu'il y a convergence de... Enfin, c'est-à-dire que le pouvoir a la volonté de changement. C'est-à-dire y a pas, jusqu'à maintenant, tous les indices disent, c'est-à-dire donc que le pouvoir... veut réellement rester au pouvoir, c'est-à-dire ne pas s'ouvrir sur la société. Oui, mais notre travail justement de communication et c'est justement de leur faire comprendre, attention, vous êtes en train d'aller vers la catastrophe. Pour vous-même d'abord. Est-ce que ce n'est pas conscient? Quand on voit par exemple les décisions du Conseil des ministres du 17 septembre passé, bon, c'est pas la peine de préciser l'année puisqu'il n'y en a pas eu beaucoup des conseils des ministres. C'est l'avant-dernier. Voilà. Ce 17 septembre de 2012. Voilà. Quand on voit les décisions de ce conseil du gouvernement, il est impossible de parler d'une possibilité de changement avec cette équipe. C'était l'augmentation des quotes-parts au niveau du FMI, c'était la révision de la loi sur les hydrocarbures pour aller vers l'exploitation des gaz de schiste, c'était le déclassement des terres agricoles pour les affecter à la construction urbaine, et je me limite à ces trois décisions. Oui, encore une fois, j'ai dit que nous sommes devant un gouvernement défaillant qui dérive vers la déliquescence. Est-ce que c'est une défaillance? Ou est-ce que c'est un gouvernement qui est absolument conscient de ses intérêts et que ses intérêts sont des intérêts de prédation? Oui. Ou pour utiliser un mot encore plus peut-être galvaudé ou oublié, c'est un gouvernement comprador, c'est un pouvoir comprador. Donc, encore une fois, ils croient pouvoir acheter la paix civile
avec cela. Or, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'augmenter le cercle des prédateurs et non pas acheter la paix civile. C'est ça la différence. Et donc, cette paix civile ne sera pas achetable et l'explosion viendra s'il n'y a pas règlement de tous les conflits qui sont. Gardez à l'esprit un dossier tout à fait ordinaire. Aujourd'hui, on dit on a 1 500 000 étudiants à l'université. Si on fait l'hypothèse que les étudiants restent à l'université 5 ans, ça veut dire que chaque année, nous allons avoir 300 000 diplômés universitaires qui viendront demander un emploi. Et si tu ne leur dites pas que votre diplôme n'est pas intéressant, c'est vous on leur a donné ce diplôme. Donc comment on va faire? Encore une fois, s'il n'y a pas sérieusement changement de toute la façon de faire les choses, c'est sûr qu'on va vers la catastrophe. Alors, si j'ai bien compris d'après vos réponses, oui. Que le changement viendra le jour où la rente, justement, va baisser. Pour le moment, le système, il achète la paix sociale avec l'argent. En quelque sorte, la population va sortir à la rue pour demander le changement, tout simplement parce qu'il a faim. Non, alors, ça c'est l'hypothèse fatale. Ça, c'est l'hypothèse fatale, bien sûr. Ça, c'est l'hypothèse fatale. C'est-à-dire que le changement ne viendra que sous pression de l'intérieur du système. Là, ce qu'on dit, le changement, on veut le faire parce qu'il y a un rendez-vous qui s'appelle constitutionnel, qui s'appelle les élections présidentielles 2014. Pour la première fois, il peut y avoir convergence d'intérêts. Encore une fois, je le répète, je le répéterai peut-être plusieurs fois ce soir, je m'excuse auprès des téléspectateurs. Il peut y avoir convergence d'intérêts pour qu'ils comprennent que dans leur intérêt, ils ont intérêt à partir maintenant, sinon ils partiraient comme sont partis les autres. Est-ce que c'est dans leur intérêt? Donc c'est ça que je dis. Ça, c'est, soyez assurés qu'à la fin du processus, ils vont partir. Tous les systèmes, oui, j'ai peut-être oublié de préciser un point important. J'ai fait une analyse de tous les systèmes d'autocrates à travers l'histoire et à travers le monde. Tous ces systèmes contiennent les germes de leur propre autodestruction. Sauf que lorsqu'il y a la rente, la vitesse de destruction est lente et cette vitesse de destruction lente crée des maux sociaux dans la société. C'est la corruption généralisée, c'est la perte de la morale collective, c'est la violence comme seul instrument de règlement des conflits entre les individus, entre les groupes d'individus, où nous y sommes. Donc lorsque vous êtes dans cette situation, vous êtes en train d'aller vers votre destruction en tant que système, je parle. Hein. Et donc l'idée, nous, qu'est-ce qu'on leur dit? Vous êtes en train d'aller vers votre destruction en tant que système, nous vous proposons une porte de sortie. Bien sûr, cette porte de sortie va d'abord et absolument dans l'intérêt du peuple algérien, donc qu'il puisse vivre dans un système démocratique ouvert, parce que sans démocratie, on ne peut pas avancer. Il y a eu des débats, vous savez, on revient à l'économie un peu, il y a eu des débats, les pays qui ont eu une dictature ont fait des développements très importants. Et je réponds tout simplement, si la dictature faisait le bonheur des peuples, les peuples africains seraient les populations les plus heureuses du monde. On voit ce qu'il en est. Donc, on ne peut pas faire le bonheur avec un système autocrate. On ne peut faire le bonheur qu'avec un système démocratique. Mais enfin, excusez-moi, M. Bonbichon, c'est-à-dire la position démocratique actuellement, c'est-à-dire vous êtes, enfin, je pense que vous êtes tout seul, c'est-à-dire vous n'avez pas de parti, vous avez juste un programme, oui. Et vous n'avez pas de relais, ni de soutien par-ci, par-là, je ne sais pas ce voilà, mais pourquoi vous ne composez pas avec d'autres partis politiques pour créer un pôle démocratique, pour faire face à un pouvoir qui est très très fort, qui a de l'argent, qui a l'armée, qui a tout. En face aussi, il y a les islamistes qui ont une base assez large. Donc je ne vois pas comment vous pouvez tout seul faire face et au pouvoir et à l'armée. C'est ça, c'est-à-dire pourquoi vous ne préconisez pas au début un rassemblement des forces démocratiques pour pouvoir avoir un appui social, une base sociale et beaucoup plus de force pour faire face à toutes ces deux forces. Ok, ça fait des années que je dis pour pouvoir réussir le changement, il faut trois conditions. Une première condition, c'est la pression forte, pacifique des populations pour demander le changement. La deuxième. Et vous n'avez pas les populations l'alliance entre les forces du changement. Trois, profiter d'un événement déclencheur. D'accord? Et j'ai commencé à travailler dans ce sens. Lorsque j'avais
j'avais demandé à ce qu'il y ait un congrès national des forces du changement, de toutes les forces du changement. Tout de suite, on a dit, parce qu'il y avait à la réunion de départ, de lancement des partis, je crois qu'il y avait parti islamiste, bien que je n'aime pas l'expression islamiste, mais bon, le parti Nahda, l'autre de Hamas. Celui dans Nahda, c'est Jabala, je crois. Enfin, Malis, j'aime pas parler. Enfin, il y avait un parti islamiste. Il y avait un parti islamiste, Galksa, et c'est l'alliance entre les forces islamistes. Et les gens n'ont pas répondu. Je viens de dire, il y a 4 mois ou 5 mois, j'ai demandé à ce qu'il y ait 4 ou 5 personnalités importantes qui annoncent leur candidature pour que justement nous puissions créer cette force. Personne n'a annoncé. Je ne peux pas attendre que les gens se réunissent pour que j'avance. Moi j'avance, le jour où ils seront prêts à se réunir, je ne serai que très heureux de les accueillir ou d'aller chez eux. Mais pourquoi vous ne pensez pas à une seule candidature? Alors, non. Une seule candidature, par exemple, une seule candidature du parti, enfin du pôle démocratique. Oui, ça, ce serait l'idéal. Mais bon, encore une fois, il faut que d'abord ce pôle démocratique se réunisse, se retrouve, se travaille ensemble et crée justement ces alliances qui lui permettraient de parler vers candidature. Si je parle d'une candidature unique, ils vont dire tout de suite qu'il veut nous accaparer. Vous savez bien. Est-ce que monsieur... Oui. Non, vas-y, non. C'est parce que c'est un chapitre nouveau. Yeah. Je vous donne la parole pour nous. Mais dans ce qu'on a vu de ce qui est dénommé le printemps arabe, la problématique se pose. Elle est là devant nous. Les configurations de pouvoir et des pouvoirs. D'abord, vous mettez dans le même sac, vous mettez dans le même sac l'Algérie et d'autres pays qui ne peuvent avoir peut-être qui n'ont à avoir que la rente. Alors non, je n'ai pas mis dans le même sac. J'ai dit seulement, en réponse à la question, j'ai dit seulement que ces pays aussi n'ont pas eu le printemps arabe. Oui, c'est tout. Mais quand même, il ne faut pas escamoter les faits, à mon avis, parce que quand on voit ce qui s'est passé à Bahreïn, ils n'ont pas de rente, mais le Conseil de coopération du Golfe a mis fin à la contestation. Quand on prend le Koweït ou plus exactement le Qatar, le Qatar n'était pas candidat à vivre le printemps arabe puisqu'il en était, il en était l'instigateur, l'un des instigateurs. Donc c'est une comparaison qui me semble un peu limite. Non, j'ai pas fait. Mais la question. Encore une fois, s'il vous plaît. D'accord. Encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ce que je n'ai pas pensé. J'ai dit seulement, vous m'avez posé la question, pourquoi l'Algérie n'est pas passée dans le printemps arabe. J'ai dit tout ce qui ont la rente ont trouvé les moyens de dépasser cette... Le Maroc n'a pas la rente. Le Maroc n'a pas la rente. Il a été mis à l'abri du printemps arabe. L'une des décisions, la première décision quand il y a eu les premières manifestations, je ne sais pas, vous avez dû suivre, c'est la proposition du Conseil de coopération du Golfe d'intégrer la Jordanie et le Maroc au Conseil de coopération du Golfe. Ce qui est quand même une décision importante, une proposition importante. Donc, la question que je voulais vous poser. Vous pensez qu'il n'y avait pas la rente derrière ça? C'est une autre lecture. Oui. D'accord. D'accord. Mais ce que je voulais vous poser comme question, c'est que ce qui s'est profilé avec les printemps arabes, c'est que les recompositions des pouvoirs a donné une recomposition autour des forces islamistes. Oui. Avec l'aval des États-Unis. Avec l'aval des États-Unis. Donc, c'est ce que Samir Amin, l'économiste égyptien, appelle une entente néolibérale, puisqu'ils sont d'accord sur le programme économique. Est-ce que vous, dans le cas où le changement, puisqu'il est inéluctable que les dirigeants algériens partent, dans le cas où le changement se réalise, est-ce que vous seriez disposé à gouverner dans une configuration similaire à celle de l'Égypte ou celle de la Tunisie? Non. Moi, je vais aux élections de 2014. En dehors des élections de 2014, je ne suis pas pour le moment disposé à négocier quoi que ce soit d'autre. Clair, net et précis. Comme un changement par la violence, par exemple. S'il y aura un changement par la violence, est-ce que vous pouvez, par exemple, être proposé? Qu'est-ce que tu appelles un changement? Non, si un changement, si un changement par la violence. Si un changement par la violence. Les questions économiques. Alors, je voulais juste poser une question. Est-ce que vous êtes pour l'exploitation du gaz de schiste? Un.
l'exploitation des gaz de schiste. D'accord, il faut. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on doit expliquer un peu c'est quoi l'exploitation des gaz de schiste? Vous pouvez les dire. Ouais. S'il vous plaît. D'accord. Donc le gaz de schiste, vous savez, ça c'est le gaz de schiste, c'est le gaz qui se trouve dans les roches mères. Mm-hmm. Donc pour l'exploiter, il faut un investissement important. D'accord. Et lorsque l'Algérie arrivera à maîtriser la technique d'exploitation des gaz de schiste, ça veut dire qu'il est disponible dans deux autres pays. En France, par exemple, ils ont pour une autosuffisance de un siècle s'ils exploitent le gaz non conventionnel, de façon générale, pas seulement de schiste, parce qu'il y a différentes formes de gaz. D'accord. Ça veut dire que lorsque vous serez dans le gaz de schiste, vous serez dans la logique de l'autosuffisance et non plus dans la logique de la rente. Parce que le produit sera disponible partout, son prix sera très bas et son coût d'exploitation très élevé. Et d'ailleurs, les autorités algériennes l'ont déjà compris puisqu'ils ont mis dans la loi la possibilité pour qu'on puisse être taxé sur le bénéfice et non pas sur la rente. Donc pas de fiscalité pétrolière, donc pas de royalties. Donc ça, c'est un élément important qu'il faut garder à l'esprit. Changer une politique énergétique fossile par une autre politique énergétique fossile n'est pas la solution. D'accord ? Il faut avoir, c'est pour ça que nous avons dans le programme, un haut commissariat aux politiques énergétiques et à la prospective. Aux politiques, au pluriel. Donc il faut maintenant travailler à faire sortir toutes les politiques. Maintenant, il faut commencer déjà à économiser sur le gaz naturel normal. Justement, ils n'ont pas abusé dans l'utilisation de la rente pour ne pas se trouver, à un moment donné, sans autre solution que le gaz de schiste. Comment vous qualifiez l'explosion de la demande interne d'énergie? Il est clair qu'elle ne vient pas d'investissement productif. Non, ça c'est, vous savez, vous avez un revenu par le pétrole, vous avez un revenu par habitant qui était de 2 500 $, il est passé à 4 500 $. Lorsqu'un revenu par habitant passe de 2 500 à 4 500, quel est le candidat essentiel à la dépense? C'est le confort énergétique. C'est la voiture, c'est le climatiseur, etc. Vous savez que depuis que j'existe, je n'ai pas vu de climatiseur à Alger, sauf ces dernières années. Donc maintenant, et maintenant, par contre, on ne peut pas vivre à Alger sans climatiseur. Donc c'est ça qui a fait cette explosion. C'est, là encore, c'est ce manque de planification entre, justement, l'évolution de la société et le travail gouvernemental qui doit aller avec cette évolution de la société. Le revenu a doublé. Il est tout à fait naturel que le client premier à la consommation, c'est l'énergie. Donc, elle ne peut pas être un argument recevable pour la définition de la politique énergétique du pays. Non. Bon, elle peut être justement, lorsque vous avez vu dans le programme, on parle de la décentralisation énergétique, justement pour le confort de la population. Il faut travailler maintenant systématiquement à chaque fois qu'il y a un endroit où on peut produire une énergie qui soit convenable, on la produit localement pour qu'il y ait cette décentralisation, pour qu'il y ait ce développement justement technologique. Mais le problème des gaz de schiste, c'est que l'Algérie a un engagement réel avec les États-Unis, puisque la loi a été révisée, l'Agence américaine de l'énergie a rehaussé le rang de l'Algérie dans les pays détenteurs des réserves récupérables, puisqu'on se retrouve troisième pays du point de vue des réserves récupérables. Pourquoi vous parlez de... Ça, c'est seulement une constatation statistique. Pourquoi vous lui donnez une dimension politique? Il n'y a pas de dimension politique, puisque les États-Unis maintenant sont autosuffisants. Au contraire, nous avons fait une grave erreur. Nous avons mis une conférence nationale de 800 millions de dollars, paraît-il, comme dépense fédérale, sur les GNL. L'AUJ. Sur le GNL, au moment où justement où notre client principal en GNL était en train d'avoir son autosuffisance. Non, je pense qu'aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, en termes de gaz, ils sont presque dans l'autosuffisance. Ils vont nous vendre leurs équipements. Hein? Ils vont nous vendre leurs équipements. Oui, bien sûr, c'est tout à fait. D'accord. Est-ce que ce n'est pas une façon d'absorber nos liquidités? On va se retrouver avec les liquidités qu'on aura données en contrepartie des équipements. Liquidités monétaires. Les fameuses réserves de change qui font la gloire du système. Non, ça. Ils sont bouffés. La consommation interne est passée de 9 milliards de dollars en 2000 à 45 milliards de dollars en 2010.
Donc, est-ce que il n'y a tout... pas que les équipements énergétiques qui consomment. Et est-ce que nous ne touchons pas du doigt, est-ce que nous ne touchons pas du doigt là, une négociation pour le maintien de l'équipe au pouvoir? Une façon d'avoir des quitus internationaux. Mais non. D'abord, écoutez. Vous, président, est-ce que vous allez offrir ça aux Américains? Offrir quoi? Les mêmes largesses. C'est quoi les mêmes largesses? Les mêmes largesses. Leur permettre de venir nous vendre leurs équipements pour exploiter un gaz qui va nous couler. On va acheter jusqu'à la silice. Mais quels seront vos rapports justement avec les grandes puissances telles que les États-Unis qui a ses intérêts économiques en Algérie? De gros intérêts. Et la France aussi. Sauf, d'abord, nous avons défini clairement notre politique. Nous avons dit que nous allons avoir une stratégie de défense qui est intégré, où il y aura défense, sécurité, économie et diplomatie. Donc un concept stratégique intégré. Et justement avec une priorité aux pays voisins, à l'est, à l'ouest, au sud et au nord. Quand je dis au nord, ça veut dire au nord de la Méditerranée, bien sûr, nos voisins du monde d'Orient. Si je parle de la France, nous avons des intérêts stratégiques importants avec la France, fondamentaux. Donc, la Méditerranée occidentale. Si je parle de la France particulièrement, la France particulièrement, pourquoi? Parce que nous sommes le premier pays francophone après la France. Et la France... Et notre premier fournisseur. Fournisseur en plus. Non, et c'est surtout où se trouve la plus grande masse de nos compatriotes à l'étranger. Donc ce sont des intérêts stratégiques. Le travail à faire, c'est quoi? C'est de travailler à ce qu'elle ne soit pas perturbée par des considérations conjoncturelles, comme il peut y en avoir souvent, et bien sûr les sécuriser sur le moyen long terme. Et ceci peut se faire lorsqu'on aura défini les intérêts bien compris des deux côtés et expliqué à l'autre, voilà mes intérêts, voilà tes intérêts, voilà le travail que nous allons faire ensemble pour les sauvegarder. Ne venez pas mettre vos intérêts avant les miens, et moi je ne mets pas mes intérêts avant les vôtres. Et donc, depuis des années, la politique algérienne est déportée sur les États-Unis. Non, pas nécessairement. Parlons de la France, comment analysez-vous justement, quel est votre point de vue par rapport à l'accord pour l'installation de l'usine de Renault à Alger? C'est une erreur, je pense. Justement, ça, c'est le type d'erreur qu'il ne faut pas faire. Ou vous ne faites pas, même si vous avez devant vous, parce que, bon, là, vous m'obligez à dire qu'il y a un titre et un titre. Et il faut le dire. Non. Je parle en termes de comportement seulement, je ne parle pas autre chose que le comportement. Dans l'intérêt de la France, elle n'aurait pas dû signer l'accord qu'elle a fait avec Alger pour Renault. Parce qu'ils ont occupé des espaces importants agricoles, 250 hectares, un endroit très important en termes de terres agricoles. Ensuite, il y a eu des conditions presque irrecevables. Par exemple, l'État algérien s'engage à acheter toute la production si elle n'est pas vendue sur le marché. Pendant 3 ans. Non. Là, pendant 3 ans, c'est qu'ils n'acceptent pas qu'une autre entreprise, exclusivité pendant 3 ans, et ils s'engagent à acheter toute la production. Une entreprise privée dans son gestion privative, elle fonctionne sur un marché, elle ne fonctionne pas sur une commande d'État. Elle fonctionne sur un marché. Si vous n'êtes pas là pour justement... Si je ne vous mets pas dans la pression du marché en tant qu'entreprise, pourquoi vous allez faire un produit performant? Si vous avez la garantie qu'il soit acheté par l'État. Je considère que ça a été une erreur stratégique, enfin c'est une erreur importante, pas stratégique, mais importante des autorités françaises d'avoir négocié dans ces conditions un contrat comme celui-là. Mais est-ce que ce n'est pas un additif à l'investissement de Tanger, à l'usine Renault de Tanger? Je ne sais pas ça, franchement, je ne sais pas comment. Moi, j'ai une autre question, c'est-à-dire, quelle est la place dans votre programme de la communauté algérienne établie à l'étranger, notamment en France, là on a une communauté très forte. Justement, alors, il y a deux types de communautés. Il y a une communauté de compétences, cela, justement, nous allons tout faire pour pouvoir la mettre à disposition du pays. En ouvrant la porte de façon, comme j'ai dit, au commissariat, à la promotion des compétences nationales, les maîtrises dans l'immunisation, ils peuvent venir soit pour s'installer lorsque les conditions seront réunies pour qu'ils s'installent, ils peuvent venir à distance, ils peuvent venir pour des périodes déterminées, par exemple quelqu'un qui est expert dans un domaine, il peut venir animer des séminaires, donner des conférences, etc. dans son pays, et il sera accueilli comme il se doit, et bien sûr, lorsqu'il peut faire aussi du travail à distance. Ça, c'est... L'autre communauté, c'est justement de la prendre en charge sérieusement, de s'en occuper, parce que c'est la communauté nationale.
à l'étranger, mais c'est la communauté nationale. Et donc, comme nous disons que nous allons être au service de tous les citoyens algériens qui se trouvent à l'étranger ou dans le pays, bien sûr, nous avons des obligations sur ça. Alors, à partir de 2017, les gens disent, vous êtes un économiste expert, vous êtes mieux placé que nous, disent que l'Algérie aura à créer 1 200 000 de postes, il y aura la demande d'emploi. Et si vous serez président, comment vous allez répondre à cette problématique, la création de emplois qui demande 1 200 000 de demandes chaque année? Non, c'est des gens qui font peut-être des confusions. C'est-à-dire que la tranche d'âge de 16, à partir de 16 ans, va croître à 3,7%. Comme c'est une tranche qui contient, contenait 10 000 en 18 000 en 2030, elle contraint 28 000. Donc, elle doit être autour de 23, 24 aujourd'hui. 3-4% de ça, ça fait pas 1 million 200. Mais rien n'empêche, il y aura une forte demande. Oui, c'est clair. Comment c'est vous clair. Allez faire? Ah, c'est ça. C'est pourquoi on crée ces pôles régionaux de développement et pourquoi on fait l'investissement dans le secteur productif compétitif qui crée les emplois. C'est pour cela, justement. Nous avons, entre autres, des 400 000. 300 000 diplômés universitaires qui vont arriver chaque année sur le marché du travail. Ça. Alors, peut-être une autre question. Une dernière question. D'accord. Alors, tu poses une dernière question. Alors. D'accord. Vous avez abordé un aspect de la Méditerranée occidentale qui est un prolongement stratégique pour l'Algérie. Notre profondeur stratégique, c'est la région du Sahel, profondeur stratégique naturelle. Ouais. Donc, comment vous voyez cette profondeur stratégique, surtout que ça peut déboucher, ça peut donner des débouchés en termes d'emploi, en termes d'investissement, etc. Et une question subsidiaire, nous avons l'habitude de nous inscrire dans le monde arabe. Nous assistons actuellement à une dynamique de restauration d'un califat islamiste. On voit très bien l'évolution de la Ligue arabe. Est-ce que vous pourriez vous inscrire, si vous étiez président de la République algérienne, est-ce que vous pourriez vous inscrire dans une organisation qui proclamerait la réinstauration du califat islamique? Ok. Pour les pays du Sahel, donc, j'ai déclaré, et nous le ferons, on va mettre en place sur 3 milliards de dollars d'investissement pour permettre une coopération entre les entrepreneurs algériens et les entrepreneurs maliens et nigériens aux frontières pour créer des sociétés mixtes dans l'irrigation, dans le tourisme, dans l'artisanat, dans toutes les conditions qui permettent à ces personnes d'avoir une vie décente. Ça, c'est l'engagement que nous prenons. C'est comme ça que nous pensons régler les problèmes de sécurité dans ces frontières. Parce que le règlement, seulement par la puissance militaire, ne viendra jamais à bout de la solution. En ce qui concerne, nous allons construire... Et sur le plan politique. Est-ce que nous n'avons pas un rôle militaire quand même à jouer? Si, on a un rôle militaire, bien sûr, mais ce n'est pas le seul. C'est pas le seul. Le rôle militaire, c'est pour faire face... Pour se défendre. Donc il a été normal que ce soit la France qui joue ce rôle militaire, dans notre propre profondeur stratégique. Dans ce cas précis, là encore une fois, les événements se sont précipités. La France est intervenue pour sauver le gouvernement malien. Parce que si la France n'était pas rentrée le jour où elle était rentrée, si elle est rentrée une semaine après, elle aurait avec devant elle un autre gouvernement qui aurait refusé qu'elle vienne et n'aurait pas pu intervenir. Donc ça c'est assez spécifique. Justement, lorsqu'on ne fait pas du travail de développement stratégique, on en vient à être obligé d'intervenir dans les conditions les plus catastrophiques. Ça, c'est le problème. En ce qui concerne le Khalifa, nous travaillons pour un régime démocratique, nous travaillons pour une république démocratique. Il n'est pas question que nous soyons en collaboration ou en alliance avec quelconque autre forme de gouvernance. Et quelle est votre position par rapport à la revendication des Zawad, des Touareg? C'est quoi? Il y a ceux qui demandent l'indépendance d'Azawad, c'est ceux qui demandent... La reconnaissance du fait Touareg, dans son ensemble, la reconnaissance du fait Touareg. Alors justement... C'est un problème qui est récurrent, C'est un problème qui est récurrent, qui demande à être étudié sérieusement. Je ne veux pas prendre de position tout de suite sur la question. D'accord. S'il s'agit des Touaregs algériens, oui, je prends une position. S'il s'agit des autres, il faut travailler. Et justement,
c'est quoi Est-ce que le concept de géolocalisation ne s'applique pas à ça? Une transterritorialité pour les toilettes, par exemple. Non. C'est justement, l'investissement qui va se faire, ça va être dans quelle région? Dans la région où il y a les Touaregs, justement. Et ça permettrait de créer, cette intégration par le résultat et non pas par une position a priori. La dernière question, vous avez parlé tout à l'heure avec Kamal, c'est la réforme de la justice. Oui. Voilà. Moi, c'est la question qui me tient vraiment à cœur, c'est-à-dire, est-ce que si vous serez élu, par exemple, est-ce que vous allez ouvrir le dossier, par exemple, de l'assassinat de Boutiev, de la Décennie Noire, l'assassinat de Marthe Blounès et les crimes de Printemps Noir de Kabul? Ok. La justice sera au service des citoyens. Tous les citoyens, sans exception. S'il y a des citoyens qui réclament l'ouverture d'un dossier, ils seront entendus. D'accord? Et les personnes dont vous avez parlé, les familles appellent à ce qu'il y ait une ouverture. Ces familles seront entendues, ça c'est certain. La réforme de la justice, nous faisons la réforme de la justice dans quatre directions importantes. Premièrement, la présomption d'innocence et le droit à la défense. D'accord? Et donc, dans ce cas de droit à la défense, tous les citoyens qui ont un problème seront entendus. Deuxième élément, c'est la protection du juge. Troisième élément, c'est l'exécution des décisions de justice. Voilà notre problème, clair, net et précis. Donc, toute personne qui, bien sûr, le dossier sera ouvert maintenant. Où il va aboutir, ça, c'est une affaire de la justice. Alors, pourquoi il n'y a pas eu un procès équitable pour l'affaire de Nes Maitoub, l'affaire de Boudiaf, l'affaire de Qasdi Merbah, les victimes du Printemps Noir? Et parce que la justice est au service du pouvoir et non pas au service de... Il n'y a pas cette séparation du pouvoir, justement. Le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Et le pouvoir exécutif. Séparation et équilibre. Il n'y a pas de séparation. Est-ce qu'on comprend à travers ça que le RIGI, par exemple, les complices dans l'assassinat de Marthe Blounès? Écoutez, vous me posez des questions sur des faits dont je n'ai pas toutes les données pour pouvoir les traiter. Donc, s'il vous plaît, ne m'engagez pas dans cette discussion. Pour le Printemps Noir, par exemple. Je vous parle avec les règles de fonctionnement des institutions. L'institution judiciaire sera ouverte à tous ceux qui ont un dossier à traiter avec l'institution judiciaire. Ça, je peux vous le garantir. Même s'il y a l'implication des hommes du système de l'époque. C'est la justice qui déterminera ça, bien sûr. C'est la justice qui... Une fois que vous faites la séparation des pouvoirs, la justice fera son travail sans problème. نستقسيك شدن غير ثلاثه المزيغ فليك شدن غير ديانا غير ثمتين سمثا غير يدلس سمثا هذيك شنو السين نغمسن وقال المقران قاسم لك عليه طم جازو في الاول هزول ماشي بالبتوح هزول alors c'est que ça zéro ouais c'est difficile dans le Coran nous hadin Monsieur Benbitour, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais aller droit au but. Nous sommes là sur un plateau d'une télévision d'expression berbère. Oui. Et je vais vous poser la question qui certainement démange tous ceux qui nous regardent et qui nous brille les lèvres. Oui. C'est quelle serait la place de Temazirt, une fois, si jamais vous êtes au pouvoir? D'accord. Donc, il faudrait d'abord faire en sorte que Temazirt devienne une réclamation nationale et non pas régionale. D'accord, ça c'est le plus important. Je crois que le service qu'on peut faire à Temazigh pour la développer, c'est de la travailler en deux directions. Est-ce que c'est une revendication nationale ou régionale? Parce que vous dites qu'il faut qu'il soit. C'est comme s'il n'est pas national? Pour le moment, il y a des parties du territoire qui ne la réclament pas. Donc il faut travailler, c'est là où j'étais en train d'expliquer, pour dire donc qu'il faut faire un travail de promotion et un travail de développement. Un travail de promotion, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait des déplacements des gens, des amazérophones, dans toutes les régions du pays, pour leur expliquer que lorsqu'on réclame quelque chose pour la langue, ce n'est pas au détriment d'une autre langue ou contre une autre langue. C'est pour justement au contraire mettre tous les Algériens ensemble dans leur histoire et dans leur culture naturelle. Pourquoi tous les Algériens mangent le couscous? Le couscous, c'est quoi comme...
C'est une culture commune. C'est quelle culture? C'est une culture berbère. Berbère. Oui. Alors, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Juste. D'accord. Donc, il y a ce programme de promotion qu'il faut faire. Deuxième élément, il faut aussi travailler à la développe. Avec les moyens de l'État, lorsque je serai à l'État. Mais est-ce que vous, en tant que président, si vous serez président, vous êtes pour l'officialisation de la langue berbère? Encore une fois, l'officialisation de la langue berbère passe par quoi? Parlons d'abord, vous, en tant que personne, en tant que président, est-ce que vous êtes pour l'officialisation de la langue berbère? Je suis pour l'officialisation de la langue berbère, mais pour qu'elle soit réellement officielle et non pas seulement officielle sur les papiers, c'est qu'il faut travailler à la développer encore une fois. Mais c'est l'État qui doit donner les moyens pour développer cette langue. L'État qui doit donner les moyens, ça fait des années. Depuis quand la langue tamazight est nationale? Depuis 2002. Mm. Nous sommes 11 ans. L'État n'a pas fait grand-chose, d'accord? Justement. Mais pourquoi les intellectuels, les gens qui ont les moyens, ne créent pas des fondations pour la promotion de la langue tamazight? Pourquoi ils ne le font pas? Il faut qu'il y ait des gens qui s'engagent. Mais pourquoi l'État ne fait pas pour tamazight ce qu'il a fait pour l'arabe en 1962? Ne me posez pas la question pourquoi l'État n'a pas fait. Moi, cet État, je suis en train de vouloir le changer, d'accord? C'est clair, net et précis. Mais encore une fois, si on a quelque chose qui devient importante et fondamentale, il faut travailler pour qu'elle soit importante et fondamentale. Mmh. Et donc, encore une fois, moi, j'appelle les gens qui ont les moyens. Il y en a qui ont les moyens. Des amazérophones qui ont les moyens, il y en a. Pourquoi ils ne créent pas des fondations pour la promotion de cette langue? Pour lui permettre de se développer, pour lui permettre d'être à la hauteur. Nous avons parlé tout à l'heure dans l'émission de la nouvelle technologie de l'information et des communications. Il faut travailler pour qu'elle soit partie prenante de ce nouveau développement. Mais c'est ça que je parle. Monsieur Benbitoul, cette langue a besoin d'un statut politique et juridique. Ce statut politique et juridique qui lui donnera les moyens pour qu'elle soit développée. Mais si on demande à la population, aux militants, de la développer avec leurs propres moyens, c'est comme si on demande à quelque chose qui n'existe pas. Non, comme quelque chose qui n'existe pas. Ben oui. Mais si elle existe, voyons comment. Voilà, donc la langue, elle existe, c'est une reconnaissance, on demande juste une reconnaissance politique. Monsieur Benbitoul, à supposer que cette volonté existe, quelle serait la volonté de l'État, justement? Moi, j'ai dit que nous mettrons les moyens en sorte que cette langue soit développée, et qu'elle soit promue dans les autres parties du territoire. Ça, je peux vous le dire. Mais moi, je peux venir comme je ne peux pas venir. Non, au pouvoir. On parle dans la probabilité. Non, là, ça dit, maintenant qu'on a traité la question de la probabilité, d'accord. Maintenant, si je ne viens pas, d'accord, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait quand même qu'on assume nos responsabilités vis-à-vis de cette question-là et que justement, les gens qui ont les moyens créent des fondations. Pourquoi ne pas créer des fondations pour la promotion de la langue tamazight? Pourquoi ne pas créer la fondation pour le développement de la langue tamazight? Pourquoi? Il y a les moyens, il y a les ressources. Il faut le faire. Non, parce que jusqu'à présent, parce que vous êtes toujours dans cette idée l'État est contre nous, donc si elle ne fait pas, on ne fait pas. Non, nous on fait et on avance, quel que soit ce que fait l'État. Demain, il va y avoir un État. Et à ce moment-là, la question qu'on vous pose, c'est si vous serez président. Ah, ça, j'ai répondu. Alors, vous êtes le premier responsable. Si vous allez faire justement j'ai déjà pour répondu. Cette langue. J'ai déjà répondu, ça y est, ça je l'ai dit. Alors, vous avez dit que vous êtes pour l'officialisation de la langue berbère. Oui. Et l'État doit donner les moyens pour que cette langue et cette culture soient effectives. Parce que l'officialisation seulement par le texte ne veut rien dire. Ne veut rien dire, encore une fois. Il faut qu'elle soit effective. Pour qu'elle soit effective, il faut faire ce travail de développement, encore une fois. Ce travail de développement, M. Benbitoul, il a été fait en ce qui concerne la langue arabe, par l'État. Oui. Et qui a mis tous les moyens, qui a investi beaucoup d'argent. Oui. Alors pourquoi ce qu'on a fait pour la langue arabe, on le refuserait pour la langue tamazight? Pourquoi vous me posez à moi cette question? Est-ce que l'État... Pourquoi vous me posez à moi cette question? Cette question, il faut la poser... Non, mais ce qui relève de la mission d'un État, vous le renvoyez à la société. Non. Quand même. J'ai dit, lorsque l'État ne couvre pas cette mission, il faut l'assumer. C'est ce que je dis. Non, je ne dis pas. Je ne suis pas en train d'excuser l'État de n'avoir pas fait. Mais je dis, si l'État ne fait pas, faisons quelque chose, nous. D'accord?
en tant que citoyens, en tant que gens qui veulent qui veulent du bien pour cette langue. Faisons quelque chose. Alors, c'est simple, la question est simple. Si vous serez président, est-ce que vous allez mettre les moyens pour la langue berbère tels que les moyens qui sont mis pour la langue arabe? Oui, bien sûr, c'est tout à fait normal. C'est ma part du moment où il a déjà le statut officiel de langue nationale. Elle l'a déjà. C'est clair. Mais elle ne sera pas officialisée. Non, officialisée encore une fois. Vous voulez rentrer dans le débat de la faisabilité de l'officialisation. Ça passe par une révision de la Constitution. Mm-hmm. D'accord ? La révision de la Constitution, elle se fait par ordonnance ? Non. Moi, je suis contre l'ordonnance. Ouais. D'accord ? Il faut qu'il y ait un référendum. Justement, pourquoi je parle de promotion de la langue ? Pour que lorsqu'elle passe au référendum, elle puisse avoir la majorité importante. Pas la majorité à 51%. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'elle devienne une préoccupation de toute la nation et de toutes les composantes de la nation. Et ça, ça demande un travail. Ça ne peut pas se faire tout seul. Ça demande un travail. Ça demande un travail à l'intérieur des régions berbérophones, amazérophones et dans les autres régions. C'est ça que je dis. Pas plus, pas moins. Vous dites aussi que durant votre... Vous n'allez faire qu'un mandat, donc 5 ans. Oui. Et durant ces 5 ans, vous n'allez pas toucher à la Constitution. Oui. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas, sous votre règne, d'officialisation de Tamazir, étant donné que vous ne ferez que 5 ans et que pendant ces 5 ans, il n'y aura pas de changement de constitution. Non, parce que vous parlez de l'officialisation dans le texte et la préparation en conditions fondamentales de l'officialisation seront là. La langue aura progressé. Elle sera au niveau de pouvoir être acceptée par tout le monde. Parce qu'il y a ce blocage. Malheureusement, pour le moment, nous n'avons pas d'autres instruments que l'ordonnance ou le référendum. Or, moi, je suis contre l'ordonnance. Vous savez que j'ai démissionné sur la première tentative du chef de l'État de légiférer par ordonnance. Donc, je suis contre. Parce que si vous faites par ordonnance, vous l'imposez sans que ça puisse devenir une conviction de la société. Or, ces questions fondamentales du choix de société doivent venir de la conviction de la société et non pas d'une alors, dans espèce ce cas, de... Oui. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut même passer la langue arabe au référendum, du moment qu'on l'a imposée au peuple? Franchement, là, vous allez dans une direction, franchement. Parce qu'on parle de l'identité nationale. On parle de l'identité nationale. C'est l'erreur que vous êtes en train de faire de vouloir dire justement il y a opposition entre la langue arabe et la langue tamazight. On ne parle pas d'opposition. On parle de darwa. Est-ce que l'identité algérienne, la question berbère, fait partie de l'identité? Oui. Est-ce que cette langue et cette culture, normalement, aura les mêmes droits que la langue arabe? Mais là, vous me parlez qu'on doit convaincre le peuple pour qu'il vote. C'est-à-dire, c'est comme si vous me dites à moi de voter si j'existe ou j'existe pas. Non, s'il vous plaît. Non, il y a encore une fois, vous êtes en train de peut-être de détourner la discussion sur des choses secondaires. La question c'est pas la question secondaire, c'est la faisabilité qui est secondaire. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, s'il vous plaît. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai jamais dit que la question amazigh est secondaire. J'ai dit donc les procédures. Les procédures aujourd'hui pour officialiser s'appellent le référendum. D'accord ? Mm-hmm. Je pense et je crois que si aujourd'hui on va vers un référendum, il ne passera pas. Je crois. D'accord ? Ou il passera de façon très faible. Donc moi, je veux travailler à ce qu'il passe comme conviction nationale, tout le monde. Ça. Maintenant, vous me dites, si vous faites ça, il faut le faire pour la langue arabe. À partir du moment où c'est fait pour l'arabe, je n'ai pas besoin de revenir sur ça. Il faut que je travaille au contraire pour développer cette langue-là, pour qu'elle soit au même niveau. Je ne vais pas enlever à ce qui existe déjà. Mais c'est simple. Alors, c'est même si on fait le référendum, c'est la formulation. Est-ce que vous acceptiez que la langue arabe et la langue amazigh soient deux langues officielles? Parce que là, c'est juste la manière de poser la problématique. Non, attention. Même si ça passe par le référendum, il passera des moments non, que on met en non, même d'abord, égalité les deux encore, langues. D'abord, encore une fois, ça ne se fera pas avec un référendum sur la simple question. Ce sera un référendum sur la révision de la Constitution. Voilà, sur l'ensemble de choix de société, encore une fois, qui sera rédigé, qui fera l'objet d'un débat, qui fera l'objet de discussions, etc. Donc, il faut enlever de la tête des gens cette question, ce qu'on appelle les désirs tutélaires, ou c'est-à-dire que c'est le chef de l'État qui va imposer à la population les choix. Non. Il faut que ça émane de la société, il faut que ça émane. Et moi, je suis en train de parler des conditions pour que ça émane de la société. Parce que moi, je crois en la faisabilité des choses, je ne crois pas dans le discours
juste discours pour faire discours. Est-ce que la langue arabe a été une émanation de la société algérienne? La langue arabe enseignée actuellement à l'école, est-ce que c'est une émanation? Est-ce que c'était un besoin de la société algérienne? Est-ce que ça a été exprimé comme ça, à un moment ou un autre? Est-ce qu'il y a eu un référendum là-dessus? Non, il n'y a pas eu de référendum. Voilà, oui. Justement, on a placé la langue arabe comme langue nationale et officielle, comme principe, comme postulat, imposé, oui. Imposé par les... la oui. force des armes, je oui. dirais, toute oui. nue. Oui. Et là, apparemment, vous êtes d'accord sur la procédure, sur cette procédure-là, qui a présidé à l'officialisation de la langue arabe. Ne me faites pas dire voilà. ce que je n'ai pas dit, encore une fois. Vous n'acceptez pas pour la langue tamazight. Non, pourquoi je n'ai pas accepté? J'ai dit seulement que moi, je travaille pour faire avancer la langue tamazight. Je n'ai pas besoin de venir revenir sur ce qui a été fait pour la langue arabe. C'est tout. Parce que je ne veux pas opposer les militants de la langue arabe aux militants de la langue tamazight. Je veux au contraire qu'ils travaillent ensemble. Et j'ai besoin de ça. D'accord? C'est ça que je dis. Donc, travaillons encore une fois. Il ne vous échappe pas quand même que la langue arabe n'est la langue maternelle d'aucun Algérien. Oui, ça c'est un autre dossier. Qu'il soit d'Annaba ou de Kabylie ou d'ailleurs. Ça c'est un autre dossier. En revanche, la langue tamazight est la langue maternelle de la majorité des Algériens. Encore une fois, ça c'est un autre problème. Donc, il y a un problème de légitimité quand même. Non, ce n'est pas un problème de légitimité. Ce n'est pas un problème de légitimité. Ça c'est le problème entre la langue étudier à l'école et la langue parlée à la maison. L'unification de cette langue, c'est un travail aussi qui doit se faire. Mais il ne faut pas les mettre en opposition, c'est ça que je vous dis. Si nous voulons que tous les Algériens se mobilisent autour des mêmes idées, autour des mêmes états, fondent de la langue tamazight comme étant leur langue nationale, fiers de l'avoir, contre de l'avoir, il ne faut pas l'opposer à la langue arabe. Parce qu'il y a quand même des arabophones dans le pays. Il ne faut pas négliger. Juste une question. Vous voulez changement, vous allez à la rencontre de la population, vous faites des meetings, etc. pour convaincre la population au changement, pour créer cette dynamique. Est-ce que dans vos discours, vous parlez aux gens de la nécessité de l'officialisation de cette langue pour créer cette unité nationale? Écoutez, j'ai fait une conférence en mai 2001. À Tizouze. Et j'ai parlé de cette question. Je mets à Kalouli, voilà, donc on va faire de vous notre ambassadeur pour promouvoir cette langue. J'ai dit non, il faut que ce soit vous-même qui faisiez ce travail pour la promouvoir. Moi, je peux aller, je vais discuter avec les gens. Un jour, j'étais dans une rencontre dans une ville arabophone et quelqu'un m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Tu défends la langue de tamazight, pourquoi tu la défends? D'accord? Je lui dis, voilà pourquoi je lui ai expliqué. Mais il faudrait que ce soit les amazighophones qui font ce travail-là pour qu'il y ait cette confiance entre l'ensemble des composantes de la société algérienne, encore une fois. C'est un travail de tous les Algériens, pas que de tous les Algériens. Parce que tous les Algériens sont des berbères. Oui, bien sûr, tous les Algériens, oui. Voilà. Oui, bien sûr, tous les Algériens, ça. Ne peut sentir la douleur que celui qui est assis, qui a le pied sur la braise, n'est-ce pas? Donc c'est ça. Monsieur Benbitou, justement, s'il vous plaît. Vous le dites exactement. La revendication berbère, le pouvoir actuel lui a opposé une répression féroce. Oui. Si jamais vous êtes confronté au même problème, vous avez un soulèvement. Oui. De toute une région ou de tous les Amazighs. Oui. Vous allez vous comporter comment? Je discute avec eux. Pas de répression? À jamais de la vie. De toute façon, que ce soit pour cette raison ou pour une autre. Sauf si c'est pour des choses qui sont contre la sécurité de l'État. En dehors de ça, jamais. Ça, c'est certain, ça. Si je suis parti à Tizi Ouzou en mai 2001... Pendant qu'il y avait, quand je suis arrivé devant la salle de réunion, la salle de conférence, je dois donner la conférence, on m'a dit, on vous laisse pas entrer parce que nous attendons M. Benbitou, parce qu'il ne pensait pas que je venais avec ma voiture tout seul en train de conduire. C'est parce que je crois dans certaines choses et je suis prêt à faire l'effort nécessaire pour les faire avancer. Alors est-ce que vous êtes pour la séparation de la religion et de la vie politique? Sauf la séparation, c'est pas moi qui suis pour la religion et contre l'intervention politique. C'est pas moi qui suis contre la séparation. La religion, quand vous lisez les textes du Coran, sont clairs. Il n'y a pas
de relation entre la politique et la religion. Et le prophète, Dieu dit au prophète, je t'envoie comme quelqu'un qui rappelle et que, comme flambeau. Il ne m'a pas dit imposer. Et justement, j'ai clairement établi, je suis contre l'idée d'utiliser la religion pour arriver au pouvoir, il faut arriver au pouvoir, imposer l'autocratie. Donc, c'est assez clair, net et précis. La religion ne peut pas être mêlée à la politique. La religion, c'est une question de conviction entre une personne et son créateur. Et dans la Constitution, le fait d'annoncer que la religion, l'islam, c'est la religion de l'État, quelle est la position de Mme Bitour par rapport à cet article? Comment, c'est-à-dire, est-ce que je suis pour la suppression? Est-ce que vous êtes pour, justement, que la religion, on ne le met pas comme la religion de l'État dans la Constitution, ou ça, cet article ne vous dérange pas? Non, moi, pour le moment, je n'ai pas de problème avec cet article en tant qu'article qui n'est pas appliqué, de toutes les façons. Qu'est-ce que ça veut dire, la religion de l'État? Ça veut dire que l'État va... Alors, si nous n'avons pas de charia. Ça n'a pas de sens, donc vous êtes contre? Bien sûr. Donc vous êtes... Charia n'existe pas en Algérie, nous n'appliquons pas charia. Justement, quelle est l'utilité de cet article dans la Constitution? Si vous voyez que n'a pas sur sa place... C'est encore une fois, vraiment, vous voulez revenir sur trop de questions. D'ici demain, vous serez président, quand même on doit trancher sur des questions de... Non, encore une fois, si demain je deviens président, j'ai déjà expliqué clairement que la révision de la Constitution contient deux articles, et je l'ai dit, et que la révision de la Constitution sera l'émanation d'une construction sociétale complète. Donc ne venez pas me poser des questions de points particuliers sur le contenu de la révision actuelle. Toute la Constitution doit venir comme un choix de société et non pas comme un désir tutélaire. D'accord, mais on essaie quand même d'identifier un peu vos choix personnels, vos convictions personnelles, philosophiques et idéologiques. Mes choix personnels... Attendez, oui, bien sûr, parce qu'on a besoin... Mes choix personnels, c'est l'engagement dans... Le règlement de la crise par l'endiguement de la crise et l'engagement dans la construction d'une république avec des institutions performantes qui fonctionnent. C'est ça mes choix personnels. Un État laïque, mais... hein? Un État laïque. C'est quoi un État laïque? Ben justement, il y aurait la séparation des pouvoirs religieux et politiques. Et ça, vous voulez que ce soit le chef d'État qui l'impose? C'est la Constitution. Et justement, quand vous voulez la Constitution, qu'elle soit écrite sur mesure pour le chef de l'État? Non. Et donc c'est ça. Et on fait quoi? Mais on veut savoir votre point de vue. Non, vous n'avez pas besoin de mon point de vue personnel. En tant que président, si vous serez président demain. Non. En tant que président, je le répète et je le répète et je le répète. Vous voulez que je le répète 10 fois? En tant que président, endiguement de la crise, achèvement des transitions. D'accord? Clair, net et précis. Pendant ce temps-là, travail de la construction de la citoyenneté. Construction de la citoyenneté, j'ai déjà dit ce que je vais faire. Par exemple, vous avez posé la question sur la langue tamazighe, j'ai dit voilà ce qu'on va faire pour la langue tamazighe. Vous avez posé la question sur la religion, j'ai dit ce qu'on va faire sur la religion. D'accord? Ne venez pas me poser des questions sur est-ce que tu supprimes cet article ou tu m'enlèves, puisque je ne serai pas partie prenante de cette décision-là. Il s'agit juste de savoir le choix de société que vous voudriez mettre en place. La choix de société, je voudrais pas mettre un choix de société, encore une fois, ce sera les Algériens qui décident, les Algériennes qui décideront de leur choix de société. On leur met les conditions pour qu'ils puissent participer librement et profondément et partout dans des débats importants. Si on laisse 10 ans pour la construction de la société, de la nouvelle démocratie, c'est pour qu'il y ait toutes les conditions pour que ça réussisse encore une fois. Et tout ça passera par voie référendaire. Pas nécessairement. Demain, on verra. Peut-être que demain, on trouvera d'autres formules, d'autres solutions. On verra. Oui. Aujourd'hui, c'est la voie référendaire. Dans la Constitution actuelle, vous êtes obligé de respecter la Constitution actuelle, c'est la voie référendaire qui s'impose aujourd'hui. Donc, nous ne nous engageons pas dans des chemins où vont nous amener à une impasse. C'est tout ce que je dis. Si je vous dis, arabo-islamisme, ça recouvre pour vous une idéologie ou une civilisation? Ce n'est pas une civilisation, c'est une idéologie. C'est une idéologie? Oui. Eh bien, merci. C'est une bonne... Alors, je pense que j'accueille avec joie. Non, parce que vous avez des Arabes chrétiens. Oui, oui, effectivement, justement. Parce que vous parlez d'idéologie. C'est, écoutez,
Laissez-moi terminer. Parce que ma question il se trouve pas, que les Arabes sont une minorité dans la population musulmane totale. Mmh. Mmh. Les Arabes sont une minorité dans la population totale musulmane. Oui. D'accord. Alors, c'est parce qu'il y a une confusion entre le texte du Coran qui est écrit dans la langue arabe et la civilisation arabo-musulmane. Ou alors, à ce moment-là, si vous parlez de civilisation arabo-musulmane, vous devez la circonscrire à la région de la péninsule arabique. Et donc, si je vous demandais de me définir identitairement l'Algérien, comment le définiriez-vous ? L'Algérien, il est défini par son histoire. C'est un Tamazight qui a toujours eu, malheureusement, à confronter, parce que l'Algérie a toujours été un pays d'asile pour des populations, et bien sûr, un pays de convoitise du point de vue de sa géostratégie. Mm-hmm. Et donc, c'est ce combat permanent qui a forgé la personnalité algérienne d'aujourd'hui. Alors maintenant, j'en reviens à les questions politiques. Si demain vous serez président, est-ce que vous allez mettre un civil au ministère de la Défense? Et quels seront vos rapports avec le DAS? Écoutez, encore une fois. Parce qu'actuellement, politiquement parlant, l'Algérie, on parle de militaire, civil à la tête du ministère de la Défense? Vous me posez des questions sur lesquelles j'ai déjà répondu. Ah non, pas encore. Si. Pas sur ce plateau. Pas sur ce plateau, oui, bien sûr. Je ne sais pas. Je vous parle par rapport aux téléspectateurs de Berber Télévision. Ils veulent savoir justement, si vous serez président, est-ce que vous allez mettre un civil au ministère de la Défense et comment vous allez faire pour que le DRS s'occupe que de la sûreté, pas de la politique? Écoutez, d'abord, le DRS appartient à une institution qui s'appelle l'Armée nationale populaire. D'accord? Cette Armée nationale populaire est une institution qui sous le commandement du chef de l'État. D'accord ? J'ai parlé le premier en parlant du ministre de la Défense civile, donc vous me posez la question. Aujourd'hui, le ministre de la Défense est militaire ou civil ? C'est militaire. Non. Le ministre de la Défense s'appelle monsieur Gnezi. Non. Et c'est le ministre délégué. Le ministre, c'est un Bouteflika. Oui. Donc c'est un civil. Mais la question qui se pose, monsieur, les prérogatives du ministre délégué dépassent le ministre. C'est la question, parce qu'on doit, si vous voulez qu'on assède dans les détails, on va voir quelles sont les prérogatives du ministre délégué. Non, Khalil, ne rentrons pas dans les détails. Est-ce qu'on peut prendre l'exemple de la Turquie, écoute, on peut l'appliquer en Algérie, mais ça civil à la tête du ministère de la Défense. Mais ça, encore une fois, je vous ai dit que c'est lorsque j'avais parlé de la mise en place d'un ministre civil au niveau de la Défense, qu'on a commencé à apporter cette question-là, en oubliant que le ministre de la Défense algérien est civil depuis 99, depuis 14 ans. D'accord ? C'est juste ça que je voulais dire, pas plus. Moi, je voudrais aussi poser une question sur l'arabisation. Oui. Je vous demanderai de me dire quelle élite arabisante peut-on aujourd'hui en Algérie faire valoir après 50 années d'arabisation? Il y a l'erreur, je pense, au départ, nous avions les lycées franco-musulmans qui enseignaient les deux langues. Et je pense que si on avait continué sur ce processus, nous aurions eu les meilleurs arabophones et les meilleurs francophones, entre autres. Bien sûr, on aurait pu développer d'autres langues, c'est pas le problème. Et donc ça a été l'erreur au départ. Maintenant, il faut, comme il y a dans le programme toute une refondation de l'école, il faut revoir justement toutes ces questions-là dans le cadre du programme de refondation de l'école. Allez. Moi, je voudrais rebondir sur la presse. Oui. Parce que vous êtes pour la liberté de la presse, mais évidemment, aujourd'hui, nous sommes sur un plateau d'une télévision berbère, domicilié en France, impossible de la domicilier en Algérie. J'espère qu'elle sera domiciliée, qu'elle acceptera de venir chez nous lorsque je serai là, ça c'est clair. Si elle vient, elle est la bienvenue. C'était ça ma question, est-ce que vous allez ouvrir le champ médiatique? Bien sûr. Sans condition. Sans condition, si vous regardez le texte, c'est dit sans condition, sauf le comment on appelle ça, le truc professionnel, là, sauf la déontologie, sauf le respect de la déontologie du métier.
C'est-à-dire, n'allez pas insulter des gens, dire des choses fausses sur les gens, etc. C'est tout. Sinon, et vous allez revoir le... Parce que nous considérons que la presse va être ce que j'appelais à côté et non pas sous les ordres, à côté du programme pour aider à le mettre en œuvre, surtout dans la partie lutte contre la corruption et dans la partie éducation citoyenne. Cela passe par la révision du code actuel de l'information ? Ça passe par, bien sûr, beaucoup de codes de l'information, bien sûr, et d'autres codes, bien sûr. Parce, je veux dire, il y aura beaucoup de lois qui vont accompagner, le processus. Vous parlez dans vos écrits, vous avez dit que vous avez parlé de notre retour dans le concert des nations. Oui. Vous avez parlé aussi de la résurrection de l'Algérie en tant que nation souveraine. Oui. Et du recouvrement de notre souveraineté. À quelle époque vous vous référez ? Le recouvrement. Quand vous dites que... Dans les années 60... Est-ce qu'elle a préexisté au colonialisme ou pas ? Pardon, je n'ai pas compris, parce que là, je vous parlais de diplomatie. Vous avez parlé de la résurrection de l'Algérie en tant que nation souveraine. Oui. Et notre retour dans le concert des nations. Oui. Donc il y a un retour. Ça veut dire qu'on a existé auparavant. Peut-être. Alors à quelle époque vous l'époque, vous l'époque, c'est 60-70. Après l'indépendance, 60-70, nous avions une place. Ah, pas au-delà. Non. C'est pour expliquer le sens de la phrase. Maintenant, si vous posez une autre question, on reviendra à une autre question. Mais là, c'était dans le cadre de la diplomatie et de la présence de l'Algérienne dans le monde actuel. D'accord ? D'aujourd'hui, j'ai dit on va revenir parce que dans les années 60, les années 70, l'Algérie était présente dans tous les assises. Nous avons même été animateurs d'une conférence spéciale des Nations Unies sur les matières premières et le développement. D'accord ? Donc c'est ça que je voulais dire par ça. Si vous voulez me dire que la nation algérienne n'a pas existé auparavant, si, elle a existé, mais la nation, encore une fois, l'État-nation tel qu'il existe, j'avais expliqué tout à l'heure que c'est une émanation de la révolution industrielle, donc qui a commencé au 18e, 19e siècle. Et au moment où cette opportunité était offerte, nous n'avions pas cette opportunité de pouvoir réaliser cette nation. Maintenant, la nation algérienne a toujours existé, bien sûr, à travers l'histoire. Il suffit de regarder le territoire, regarder ce qui se trouve dans le territoire comme vestige, comme etc. Et puis la culture, de façon. Considérez-vous que la régence turque était un État algérien ou pas ? Non, la régence turque est venue dans des conditions assez particulières. Vous savez, elle est venue en 1531 lorsque les Espagnols et les Français voulaient occuper l'Algérie. Certains le revendiquent comme un État algérien. Non, c'est pas un État algérien. D'abord, ce n'était pas un État algérien, et même les Turcs ne le considéraient pas comme État algérien, puisqu'il n'y avait pas cette relation avec Beb Ali qui existait, par exemple, avec l'Égypte. Ouais. Alors, revenons à l'État algérien. Est-ce que vous êtes pour la réforme de l'État, pour les systèmes régionaux ou l'autonomie des régions ? Quelle est votre conception par rapport à la réforme du système, la réforme de l'État ? Non, la réforme de l'État, j'ai expliqué. Donc, les cinq points de la réforme de l'État, je les ai expliqués. Maintenant, vous parlez d'autre chose. Il y aura une décentralisation de la prise de décision d'investissement dans les 15 pôles régionaux de développement. Ça, c'est le plan économique. Sur l'autre plan, gardez à l'esprit, encore une fois, comme nous sommes un pays, si vous parlez du fédéralisme, n'est-ce pas ? Non, je ne sais pas. On aimerait bien savoir quel est votre point de vue. Est-ce que vous êtes pour un État fédéral ? Vous êtes pour l'autonomie des régions ? Vous êtes pour la régionalisation ? Non. La décentralisation, c'est-à-dire... La décentralisation, oui. Les pôles de régions de développement économique, oui. Mais le fédéralisme ne peut pas fonctionner en Algérie pour une raison très simple, parce que nous avons une concentration des recettes de l'État et une distribution équitable des recettes, une distribution sur l'ensemble des parties du territoire. Si demain vous êtes dans un régime fédéral, ça ne marchera plus. Parce que chaque État voudrait garder ses recettes à son niveau. D'accord ? L'État fédéral. Les États composant le fédéral. Ça, c'est une caractéristique d'un pays qui fonctionne sur la rente. Donc, ce n'est pas faisable. Donc, vous êtes pour la décentralisation ? La décentralisation, bien sûr, tout à fait normal. Et donner les pouvoirs aux élus ? Ça va de soi. Lorsque vous parlez d'une république démocratique... Pour comprendre un peu votre point de vue. Lorsque vous parlez d'une république démocratique... C'est justement que le pouvoir appartient aux élus. Maintenant, le choix entre un régime présidentiel ou un régime parlementaire, ça,
Ça viendra dans l'étape où il faut discuter de ça. Ça relèvera de la révision de la Constitution. Mais dans l'état actuel des choses, dans la Constitution actuelle des choses, normalement, les élus locaux ont le pouvoir de fonctionner. On fera en sorte qu'ils fonctionnent. Tout à fait. Monsieur, justement, en parlant de Constitution, vous dites que vous allez vous soumettre à l'actuelle Constitution. On le sait tous qu'elle consacre, elle consacre l'ensemble des pouvoirs au président. Est-ce que vous allez, vous aussi, concentrer tous les problèmes sur votre personne? Premièrement, d'abord, il faut garder à l'esprit que j'ai dit que c'est celle de 1996, amendée en 2002. D'accord? Donc l'amendement, c'est la langue nationale, pour ta mesure. Celle de 1996 contient... Quand elle a été faite, elle pourrait fonctionner comme parlementaire, elle pourrait fonctionner comme présidentielle. Parce que, dans celle de 1996, le gouvernement est nommé, il présente son programme à l'Assemblée nationale. Que l'Assemblée nationale l'accepte ou le rejette. D'accord ? Sauf que, justement, pour la faire fonctionner présidentielle, si elle le rejette, le président a la possibilité de reposer le même programme, et s'il le rejette une deuxième fois, il est dissout d'office. D'accord ? C'est ça que je n'appliquerai pas moi. Donc, dans la Constitution actuelle, il y aura les moyens pour que le Parlement fonctionne. J'ai démissionné, gardez à l'esprit, j'ai démissionné lorsqu'il a fallu faire une ordonnance. Mais dans ces conditions, c'était au Parlement de refuser ça. Non, eux, ils l'ont accepté. Moi, j'ai démissionné dans le gouvernement parce que j'obéis à certaines règles de principe démocratique que je ne pourrais pas laisser passer. Votre Premier ministre ? Il sera issu de la majorité? Non, mon Premier ministre ne sera pas issu de la majorité parce que si je suis élu en 2014, la majorité ne sera pas celle que je désire. Allez, je voudrais rebondir justement sur cette idée de... Vous venez de récuser le fédéralisme. J'ai expliqué seulement que dans les conditions qu'il est inapplicable dans le cadre des réalités algériennes. Il posait des problèmes d'application. Oui, mais mis à part une configuration économique, sur le plan culturel, des régions qui ont des spécificités à faire valoir, à promouvoir, bien sûr, ça peut quand même... Ça n'a rien à voir avec le fédéralisme, ça. Attends. Oui. Écoutez, ça peut se concrétiser par une autonomie, par exemple, culturelle, d'une région. Vous pouvez appeler ça fédéralisme ou comme vous voulez, mais la gestion des spécificités propres à une région... Ça, c'est la décentralisation. La décentralisation. C'est ça la définition de la décentralisation. La définition de la décentralisation, c'est que les décisions importantes qui concernent la région sont prises au niveau de la région. C'est ça la décentralisation. Non, la décentralisation est gérée par la Constitution, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a une clause constitutionnelle qui fait que l'État central a son mot à dire sur les politiques, par exemple, de l'enseignement de la langue ou de la culture dans une région donnée, n'est-ce pas? Par contre, dans le fédéralisme, il y a une gestion tout à fait autonome. Oui, tout à fait, encore une fois, oui. Une dimension que vous regardez. Moi, je vous ai dit une autre dimension, qui relève des conditions de vie des citoyens. D'accord ? Direct. Parce que... Donc, pouvez concevoir que la Kabylie ait son autonomie culturelle et qu'il y ait des instances kabyles qui puissent gérer l'enseignement. On revient encore à cette manière. Encore une fois, moi je veux et c'est le cas et c'est la vérité. La Kabylie est une partie prenante de l'ensemble du territoire algérien et de l'Algérie. D'accord. Encore une fois, il faut pas trop mettre l'accent sur ces spécificités de sorte à créer cette division dans la population. S'il vous plaît. Je vous en prie. Le problème, c'est que vous venez d'employer encore un mot qui est dangereux, c'est le mot division. Or, l'autonomie ne signifie pas division, ne signifie pas isolement, ne signifie pas conflit.
Bon, si c'est vous, tout simplement un élargissement des prérogatives. Soyons simples. Allons poser des questions à travers le territoire national et on va leur dire l'autonomie, est-ce que ce n'est pas la division? Qu'est-ce qu'ils vous répondent? Mais parce qu'on leur a mis ça, dans l'esprit, à force de propagande depuis des décennies, voilà. On a fait tout le tour pour l'autonomie signifie division. On a fait tout le tour pour revenir à ce que je vous ai dit, donc la promotion et le développement. C'est ça, encore une fois. La promotion. Allez, quand je dis promotion, parce que moi, je regarde la faisabilité, c'est la responsabilité. Vous êtes journaliste, vous vous exprimez et ça part. Moi, si je prétends vouloir être président, quand je m'exprime, ça devient un engagement. D'accord ? Quand je prends un engagement, il faut que je sois capable de le réaliser. Donc, je dois regarder les conditions de réalisation de cet engagement. D'accord ? C'est pour ça que je vous dis encore une fois, si on ne fait pas ce travail, pour faire en sorte que cette question devienne une question nationale au sens propre du terme. Ça veut dire que vous trouvez quelqu'un à Djelfa, vous trouvez quelqu'un à Mesed, vous trouvez quelqu'un à Tibissa, vous trouvez quelqu'un à n'importe quel autre endroit, il commence à comprendre que c'est sans problème à lui autant que n'importe quel citoyen de Tizi Ouzou. À ce moment-là, nous aurons gagné la bataille. Nous aurons gagné la confiance de l'ensemble de la population algérienne. Alors, pour que ce travail soit fait, ne commençons pas par à poser les questions sur lesquelles les gens considèrent. Alors, parce que la question, c'est pas ce que vous pensez, c'est ce que les gens comprennent de ce que vous dites. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi la différence entre la décentralisation et l'autonomie et la régionalisation? Est-ce que c'est juste l'appellation, mais où est vraiment la différence sur le plan économique et politique? Voilà, régionalisation, ça concerne plusieurs pays déjà, c'est plus à l'intérieur d'un pays. Donc, je parle de région économique, d'accord? Pôle régional de développement, d'accord? Ça, c'est la régionalisation. La décentralisation, c'est-à-dire que les décisions sont prises au niveau local, d'accord? Donc, il y a une autonomie locale. Non, c'est pas la même chose. D'accord, essayez de vous expliquer. Parce que l'autonomie, c'est quoi? L'autonomie, ça veut dire que vous êtes autonome. Vous devez vous débrouiller pour vos recettes, vous devez vous débrouiller pour votre dépense, vous devez pour vos choses là. Ça, c'est ça l'autonomie. Ça, c'est, encore une fois, j'ai dit, ça peut pas marcher parce que il se trouve que nous avons une concentration des recettes et une redistribution nationale des recettes. D'accord? D'accord? Des dépenses, pardon. D'accord? La décentralisation, c'est justement que les décisions fondamentales de conditions de vie des populations sont prises au niveau des autorités locales. Des autorités locales qui sont dans le cadre national, les autorités. Qui sont des composants d'un État national et pas d'un État local. Parce que le fédéralisme, ça veut dire qu'il y a un État local. Il va y avoir un Parlement, il va y avoir un Premier ministre, il va y avoir un gouvernement. C'est ça, là, le fédéralisme. Quand vous visitez le Canada ou l'Allemagne, c'est ça, le fédéralisme. Et si on parle des wilayas historiques? Wilayas historiques, ça, c'était l'organisation à l'indépendance, c'est wilaya. Oui. Est-ce que c'est un concept qui peut marcher ou non? Moi, je parle de région économique, encore une fois. J'ai pris les 15 départements à l'indépendance parce que je pense que ça a été fait avec une idée cohérente. On démarre avec 15. S'il faut faire 20, on ira à 20. S'il faut faire 10, on ira à 10. Alors, les dernières questions, Mélorti Cézal, allez en prendre. On va faire un peu dans la fiction. Quand vous êtes au deuxième tour de la présidentielle qui approche, et que vous avez un islamiste et un démocrate, vous appellerez à voter pour qui? Si je suis dans le deuxième tour. Non, vous êtes hors course. Hein, hors course? Ouais. J'appellerai le démocrate, bien sûr. Voilà. Je veux dire simplement faire cette remarque que M. Benbetour, vous avez une vision très économiciste des choses et qu'une société, un pays est multidimensionnel. Hein, que les aspects culturels, me semble-t-il, sont un peu négligés dans votre programme. Non, pas du tout. Pas si, les aspects culturels et identitaires sont un peu négligés au profit d'une vision plutôt technocratique.
Écoutez, c'est votre critique, elle est la bienvenue, mais quand je parle de refondation, de l'État, et que je parle de refondation de l'administration, de refondation de l'école, de refondation de l'économie, promotion des compétences nationales, vous mettez ça dans l'économie, l'économie a un point sur, sur cinq. Donc c'est pas seulement l'économie. Oui. Voilà. Merci beaucoup, M. Bito, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Avant de vous laisser, je voulais juste vous dire, est-ce que vous pouvez nous dire en berbère, « Nik Vamazir » Voilà, « Nik Vamazir ». « Nik Vamazir », oui. Merci, M. Bito. تلمير ذا يكون متي لكم يكون ودي دليلنا أكان ذا والد نبوي لكم مس حمد بن بيتول ذا نتسان دي ساس دي مانيس غاث سلوي ذا نجيرا فور بعطاش مس حمد بيتول سيبزا بيها موادير أقول لك أقول لك أقول لك مرسي دابور جو بدي مرسي بور ست رنكونتر اي جو بدري دير وز الجيريان وز الجيريان دونك نو زافون رانديفو فوندامونتال et qui va déterminer l'avenir de la nation. Et si nous ne mettons pas tous ensemble pour faire face à cette situation, le pays ira bien. Si on veut regarder, si vous voulez, si vous me donnez une minute, quels sont les scénarios possibles? Il y en a trois, pas plus. Trois, un, c'est celui de la mise en œuvre de toutes les malédictions, c'est-à-dire baisse des prix des hydrocarbures, baisse de la production, intervention étrangère, etc. Et ce serait le danger sur le pays. Et ça, c'est probable, il ne faut pas l'exclure. Nous avons vu ce qui s'est passé au Soudan, par exemple. Le deuxième, ce serait de laisser les choses aller à la dérive d'un état défaillant vers un état déliquescent, et ce serait la catastrophe totale, sans qu'il y ait peut-être de partition du territoire, mais il serait la session difficile. Le troisième scénario possible, ce serait qu'on se mobilise tous ensemble, on fonctionne pour qu'il y ait un programme. Le mien, moi, je propose un. Si quelqu'un d'autre propose un autre, bienvenue. Et donc, à ce moment-là, on se mobilise pour changer tout le système de gouvernance et entrer dans une nouvelle Algérie, l'Algérie de la paix, de la justice et de la prospérité. Merci encore une fois. Et à une prochaine fois, peut-être. Pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Nous, Berber Télévision, Tibora, Berber Télévision, Evelyn, Marra, Wiv, Eric, Mislein, Rapsati, Radio, Mislein. إذا وقعني بسوي ناقي من ندى كم توجدوث ما تشي ذوال ما الشام ذي ذلس إذا نساقل قطنا رسيا هذه اليوم أمنو تنمير ثم قرنة الناس حمد بن بيتور اللي رأينا غفيس قسينا قد سمي ثاذا كنيا مرة ويعجز أن تسلتي ثم دم بغوني لين هذه لين دين بقون الحرمة يوكن أن فهم بكل شو قلنا ذفير ولا نسن ذكو ذقوهين نسن سلام عذا كنا ذي فسسن في اللون جاكو ذي لهنا ذا خيار أرتكتنا